Et bonsoir la populace, comment allez-vous? Salut Normeus, comment tu vas? Le plaisir de te voir. Alors, on n'est pas venu à Crash Test? On n'est pas venu voir Crash Test finalement. Salut Twitcheuse, comment tu vas? Oh là les Maxi BG, oui, bah bien sûr, évidemment. Il s'agit de nous. Il s'agit tout à fait de nous. Alors attendez, j'essaye de régler la musique histoire que ce soit pas trop fort. J'ai pas envie de vous casser les oreilles. Normalement, on est bon là. J'ai complètement zappé. Ah bah bravo! Ah bah voilà! Écoute, il y aura la rediffusion sur YouTube. Il y aura la rediff sur YouTube, donc t'inquiète. Donc, tranquille. Hop, je me monte un peu la musique perso, parce que moi j'aime bien là. Eh, Post Malone, ça fait quelques temps que j'ai découvert, franchement. Il me régale le gars, hein. Il écrit trop bien ses textes, hein. Il m'est arrivé des dingueries, je devais commencer le... Avec le boulot, je peux pas être partout. Non, non, mais t'inquiète, mais je te demande de, je te dis juste ça parce que t'avais dit ouais, bah, je passerai sûrement. Et du coup, je voulais trop que tu testes les jeux avec nous, mais t'inquiète, hein, y a pas de reproche ou quoi que ce soit. Hein. C'est normal. Hein. Bref, du coup, je commençais à raconter ma vie là. Je me suis retrouvé dans une situation aujourd'hui très agréable. Putain, tout l'inverse. Je me suis réveillé, tranquille, machin, je me fais mon café, je me réveille doucement, je me pose sur le canapé en attendant que mon café s'infuse et tout ça. Enfin, percole et tout, et puis je me pose, tu vois, je scrolle 2-3 conneries sur le téléphone, puis je commence à lire un bouquin, machin, je discute un petit peu avec vous sur le Discord. Et là, au bout d'un moment, je me dis, putain, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir le cul humide. Tu vois, sur le canapé, je suis sur un plaid, machin, j'ai l'impression d'avoir le cul humide, je me dis mais... Mais what the fuck? Et puis là, je fais non. Non. Non, mais non. Non, mais non. Non, non, on a changé la litière hier soir, donc c'est pas possible, tu vois. Et là, je touche sous mon cul, je touche le plaid, je fais un bon petit, tu sais, comme ça, là. Je sens que c'est mouillé. Je fais ça. La bonne odeur d'ammoniac. La bonne odeur de pisse de chat, frère. Du coup, je me retrouve dans la situation de j'ai ma douche que je dois reprendre. J'ai mon calbar, mon pantalon à foutre au sale, un plaid à mettre à la machine aussi. Et puis un canapé à nettoyer. Et dans 10 minutes, je suis censé streamer. Je suis en mode. Bah yes, trop bien en fait, trop cool, génial. Et juste avant, je répondais à quelqu'un sur Twitter parce que j'ai que ça à foutre. Ouais, maudit chat. Non mais les chats c'est chétan. J'aime pas. Enfin c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas fan, tu vois. Je suis pas fan. Parce que même si tu peux faire un petit peu de comportementalisme, tu vois, et l'éduquer en quelque sorte. Ça reste quand même chaud. Ça reste quand même chaud parce que c'est des petits connards qui font ce qu'ils veulent. Et bref, du coup, je répondais sur Twitter à quelqu'un qui disait, enfin, qui avait posté une vidéo, genre, qui avait retrouvé son chat sur son palier avec les pattes scotchées. Alors, il y avait un mec qui avait et un petit mot. Il y avait un mec, un voisin, qui avait scotché les pattes du chat. Qu'il l'avait foutu sur le palier pour pas qu'il bouge. Et c'est vrai que quand tu regardes la vidéo comme ça, et ouais, il y avait un petit mot qui disait comme ça, il arrêtera de venir dans mon jardin. Tu vois. Donc j'imagine que c'est une histoire de voisinage. Et au début, ouais, je trouve ça un peu violent, tout le monde trouve ça un peu violent, ça tweet fort, il y a plus d'engagement que sur un tweet pour la lutte contre le génocide palestinien, tu vois, genre il y a... Ouais, les gens, ils aiment les chats, hein. Il y a carrément une série qui s'appelle Don't Fuck With Cats, hein, qui est bien en soi, hein, parce que c'est quand même bah, des gens qui sont là pour la violence animale. Bon, ça les dérange pas sur 99% des espèces sur Terre, mais les chats, voilà, au moins les chats sont protégés, au moins les chats sont protégés, même si il y en a énormément, et que ils sont responsables... En partie, hein, la domestication des chats fait partie d'une des raisons, une des causes de destruction de la biodiversité. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas pour autant que tu dois être cruel avec des chats.
Mais bon, en Australie, on massacre bien des milliers et des milliers de lapins parce qu'ils se sont trop reproduits et qui défoncent la biodiversité. Bon, je dis ça, voilà. Hein. Les lapins, c'est des lapins. Les chats, non, on touche pas les chats, tu vois. Mais du coup, le voisin, il pose ça, il pose le chat sur le palier avec les chats, avec les pattes scotchées, etc. Et je me dis, ouais, quand même, c'est pas cool, tu vois. J'ai première réaction, un peu comme tout le monde, c'est pas cool. Et puis après, je me pose 2 secondes, je réfléchis. Je me dis, mais en vrai, si toute l'année, t'as un putain de chat qui vient chez toi, qui défonce les plantes de ton jardin, qui fait des trous, qui chie partout, tu peux pas laisser une fenêtre ouverte chez toi quand t'es là ou quand t'es pas là, parce que potentiellement, il va rentrer chez toi, il va tout défoncer, il va ronger des câbles. Moi, mon chat, le chat de ma meuf, il m'a coûté 300 balles à peu près en câble. Un casque audio bouffé, un chargeur d'ordinateur à 90 € bouffé, des écouteurs, enfin, des dingueries. T'as ça, ouais, nique tes plantes, etc., etc. Et t'sais, t'es un être humain, t'es pas un total barjo, mais tu pètes un peu un câble parce que ton voisin, il s'en bat les couilles, tu vois. Il dit, ouais, mais c'est son chat, je veux pas entraver sa liberté. Hein. Et rip hein, tous les chats d'appart, hein, évidemment. Nous sommes cruels, mais genre en vrai, je crois que c'est le truc le moins violent possible que tu puisses faire pour faire comprendre à ton voisin que au bout d'un moment, frérot, garde ton chat chez toi quand t'es pas là pour le gérer, le contrôler quoi. J'ai trouvé ça pas ouf comme move, mais en même temps, quand t'as plus le choix, parce que le mec, je pense qu'avant de faire ça, il a dû parler. Hein. Il y a pas que des psychopathes sur Terre qui font ça dès la première fois qu'un animal les fait chier, quoi. Mais bref. C'est honteux d'avoir une vie en dehors de ce live. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est vraiment n'importe quoi. On devrait te ban, Normeus. C'est peut-être la solution. Ça m'est arrivé avec du vomi. Oh, nice! Bien ça. Après, c'est pas la faute du chat entre nous, mais du maître. En France, on a bien introduit la myxomatose pour les lapins. C'est quoi la myxomatose? Parce que ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, la myxomatose. J'ai l'impression. Ça me dit quelque chose. Peut-être que c'est une autre maladie en tose. En tose. Merde, j'essaye de régler la musique et j'y arrive absolument pas. C'est une maladie. Oui, non, mais. J'avais deviné. J'avais deviné, Normus. C'est quoi? On a introduit une maladie pour les lapins? Genre pour. Qui meurent naturellement, entre guillemets? Je t'avais raconté cette histoire, Céline, par rapport l'histoire de soirée, alcool, drogue, vomi, pisse de chat. Ça te dit quelque chose ou pas? Le virus a été délibérément introduit en France en 1952 par un bactériologiste qui souhaitait réduire la population des lapins qui colonisaient sa propriété. Ouais, alors voilà, ça a été fait. Ça a été fait, mais genre par un mec tout seul, tu vois. Ça a été fait par un mec tout seul. Ça a pas été une décision de l'État de dire il y a trop de lapins dans le pays. Vas-y, on introduit une maladie pour les niquer. Pas comme ça. Bah en fait c'est simple. Cette histoire je l'ai racontée il y a quelques temps, mais en gros j'étais parti faire une soirée. C'était à Montpellier. C'était à Montpellier et il y avait. J'étais encore à la fac. J'étais encore à la fac, ou c'était l'année d'après, je sais plus, où j'avais quitté la fac. Et j'étais parti faire la crémaillère d'un pote que j'avais rencontré à la fac, qui avait son appart genre à 100 mètres de chez moi. Je me dis, vas-y frère, en vrai, profites-en, sors un peu, éclate-toi. Et puis c'était que des gens sympas, que des musiciens et tout, c'était trop bien. Et puis, du coup, je me dis, je suis à 100 mètres de chez moi, frère, vas-y, je me mets une grande race, je m'en bats les couilles, je suis à 100 mètres, je suis trop bien. Si ça va pas, je rentre. Et salut, Soren. Tu t'es assis sur de la pisse? Ouais, bah, je viens d'en parler. Et du coup, je me dis, vas-y, mets-toi une race, quoi. À l'époque, je pouvais encore. Et du coup, je me mets une race, mais comme je me mets rarement, tu vois. C'est-à-dire que. Je fume des joints, parce qu'à l'époque je fumais encore, et j'en fumais pas mal du tout, hein. Ça me posait pas de problème de fumer une dizaine par jour, quoi. C'était un peu nimp, très n'importe quoi, je ne conseille à personne de faire ça.
Et tout seul, hein, évidemment. Bah oui, quand même. Et du coup, là, c'est soirée, donc j'en fume 10 de plus, hein. vraiment, vraiment abusé. Et puis là, moi, je tiens pas très bien l'alcool. Enfin, c'est-à-dire que, en vrai, ça va. En vrai, ça va, je tiens bien l'alcool, mais l'alcool fort, c'est un truc... même si je tiens un petit peu, tu vois, genre je deviens pas violent ou je fais pas n'importe quoi, mais bon, au bout d'un moment, comme tout le monde, j'ai ma limite. Sauf que moi, j'ai une tendance à bégère, tu vois. J'ai une tendance avec l'alcool fort à bégère fort. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool fort. Ou alors des petits cocktails un peu légers, tu vois, faits maison, des rhums arrangés, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est bière et pas grand-chose d'autre, tu vois. Genre, je partais pas trop loin. Et là, bah, je suis à 100 mètres de chez moi, je me dis, c'est l'occasion de mettre une grande race, ça fait longtemps que j'ai pas vu les copains et tout, l'ambiance est géniale, il y a que des musicos, c'est trop cool. Et puis du coup, je prends une décision un peu débile, c'est de répondre oui quand un frérot me propose « Hey, tu veux faire des tech paf avec nous ?» Pour ceux qui connaissent pas le raccourci, c'est les tequila paf, hein. Donc vodka, sel, citron. Quelque chose de... Enfin, shot de vodka. Et quelque chose qui ouais, fait passer la vodka toute seule, tu vois. Moi, c'est un alcool avec la tequila, j'ai trop du mal, ça me donne envie de bégère direct, tu vois. Une gorgée, je sais pas. Un truc qui va pas. Et sauf que les tech paf, ça passe. Ça passe, tu vois. Sauf que les tech paf, c'est démoniaque, tu vois. Les tech paf, c'est démoniaque. Tu vois, l'alcool, c'est chétan. Mais alors, les tech paf, laisse tomber, c'est un délire. Et du coup, j'enchaîne, je fume, j'enchaîne, je bois du vin rouge, la bière, et tech paf, j'enchaîne, je fais une petite pause, bam. Évidemment, quand je fais une pause, je fume un joint, puis je reviens, je refais des tech paf. Et vers 3-4 heures du matin, je commence à sentir que la stratégie des 100 mètres, j'habite à 100 mètres, on va peut-être l'utiliser, bam, carte joker, je rentre chez moi, j'ouvre la porte, et là, je m'affale sur le canapé qui est ouvert avec la méridienne ouverte. Je m'affale dessus. Et en fait, le chat avait pissé sur la méridienne. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je m'affale dessus. J'ai la tête qui tombe dans la flaque de pisse, dans le matelas du canapé imbibé de pisse, tu vois. Et là, moi, j'avais déjà une envie de bégère qui était là, qui était en soum-soum. À tout moment, elle sortait, tu sais. Elle attendait. Et là, elle a senti mon dégoût, frère. J'ai tout relâché. J'ai tout relâché sur la méridienne. Donc, pisse de chat, ammoniaque, compagnie, vomi. Alors, un vomi, attention, de compète. Hein. J'avais facilement dû manger un grec ou une connerie ou des pizzas dans la soirée. Des chips et des merdes. Autant vous dire que ça sentait... truc qui doit se rapprocher à peu près de la mort, tu vois, d'un cadavre en décomposition, bien avancé. Et je me suis retrouvé pendant... Bah, je suis rentré à 4-5 heures, je me suis retrouvé pendant à peu près 2 heures à racler mon vomi de la méridienne pour le jeter à la poubelle, le mettre dans un sac. Et genre, ça faisait un tout petit peu de bruit, tu vois. Genre, tu racles un peu de tissu avec une connerie et ça voilà, c'est avec du carton ou je sais pas quoi, un truc que j'avais sous la main. C'était immonde, ok. Je fais 2 mètres, j'ai un estomac qui est big. Donc, j'avais de la place, j'avais du contenu à vider. Je vous raconte pas le délire. Ma meuf se réveille, elle passe au-dessus de la mezzanine, elle me regarde et me dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» C'est avec des yeux tout petits, en mode « Je pensais que je sortais avec une japonaise. » Et pas du tout. c'est une bonne Madame Babtou. Et frère, je lui dis « Non mais va te recoucher. Ton chat qui m'a tendu un guet-apens, j'ai vomi sur le canapé, je nettoie tout, t'inquiète. » Bon. Ça a pas marché, elle s'est un peu inquiétée. Elle s'est dit, putain, mon canapé. Moi, c'était pas grave, hein, mais le canapé, là, je t'assurais qu'elle était pas bien. Bref, ce canapé, ouais, il en a chié. J'ai passé genre 3 heures à nettoyer, je me suis couché à 7 heures du matin. J'étais dans un état lamentable. J'ai jamais autant haï ce chat que ce jour-là. C'était horrible. C'était horrible. Salut, Milan, ça va ou quoi? C'était un carnage. Du coup, depuis, ouais, relation avec ce chat qui est un petit peu entamé, entre autres événements qui sont mal passés. Mais du coup, là, ce matin, ça m'a fait plaisir, tu vois. Petit réveil, j'arrive, je lui fais une petite caresse toute... voilà, je lui fais parce qu'elle est obèse, elle est un peu mignonne. Du coup, même si je la déteste, tu vois, je suis un être sensible, tu vois. J'ai un peu d'empathie, même si ce chat n'en a absolument aucune et que c'est un monstre cruel, au fond.
de toute cette graisse. Sous toute cette graisse se cache un être absolument détestable, dans une surface tout à fait... tu vois. Et je voilà, j'arrive, je lui fais une petite caresse là dans le cou, je sais qu'elle me tend sa tête comme ça, et puis je commence à enlever ma main, parce que bon, peut-être au bout d'un moment je vais boire mon café, tu vois, elle me défonce la main, elle me mord. Je suis en mode, je viens de me réveiller, je me fais enculer par le chat, alors que je lui fais des caresses et qu'elle était en train de kiffer. Trop bien. Yes, let's go. Super, allez, on va boire le café, on oublie, on arrête de réagir, on contrôle nos émotions. Et puis, j'arrive sur le canapé, m'arrive ça, au bout d'une demi-heure, je capte que je suis assis dans une flaque de pisse alors qu'on avait nettoyé sa putain de litière la veille. Bref, une superbe journée. Ça commence très bien. Donc là, je vous explique, on va jouer à Beyond Two Souls. Tous les mecs qui nous font chier, toutes les meufs qui nous font chier, on les défonce, d'accord? Ils vont prendre pour le chat, voilà. Salut Nogo, ça va ou quoi? Ça tranquillou, mon frérot. C'est pourquoi il faut pas... Quoi? Attends. Attends, parce que là, du coup, moi, je suis parti en monologue pendant 10 minutes sur mes mésaventures avec le chat. Mais j'ai lu les messages sans les rattraper. Je dis, c'est pourquoi il ne faut pas boire les enfants. Akuro, tu nous expliques? Ah, t'as peut-être oublié une virgule. T'as peut-être oublié une virgule. Boire, virgule, les enfants. Ok. Putain. Ouh, ok, c'est bon. On a esquivé le malentendu. C'est bon. C'est bien. Alors, Attends. Entre 1952 et 1955, 90 à 98% des lapins sauvages sont morts de la myxomatose en France. Écoute. Est-ce qu'on pourrait pas intégrer la miaoumatose? Moi, ça me déplairait pas. Voilà, je suis gentil maintenant. Comment ça va? C'est là où j'en suis. Hein. Tequila, pas vodka. Ouais, moi les deux, hein. Tequila et vodka, ça me donne envie de mourir. Akuro, mode musulman sérieux. Haram. C'est haram. là, c'était genre une flaque dorée. Ah ouais, non, c'était pas la flaque dorée. Non, c'était la flaque invisible, c'était la flaque piège, frère. C'était vraiment la carte pisse face cachée. C'est pourquoi il ne faut pas boire les enfants. Faut les faire bouillir avant. Comment ça, faut les faire bouillir avant? Les chats? Madame de Guerre aussi. Non, ça va. Bon, faut pas boire les enfants. En même temps, boire des enfants, c'est indigeste. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Pas trop envie de tester, je t'avoue. Je suis pas chaud de ouf. Putain, j'ai pas un mix. Milan, là, t'as pas des mix de musique stylés? À part des... à part des mix... on se sait. À part des mix Naruto, Deep Music, I Want To Cry, tu vois. Si t'as des mix sympas de musique, je suis chaud. Quel genre de playlist tu veux? Bon, des, je sais pas, playlist chill, tranquille, peu importe en vrai. Peu importe tant que c'est pas du boum 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 boum, tu vois, parce qu'on me l'a fait quelques fois. Ou alors des chants nazis aussi, on m'en a mis en song request. Si on peut éviter ce genre de playlist, quoi, ça peut être sympa. Évitons l'hymne israélienne aussi, si on peut éviter, enfin, il y a des trucs dans le genre, voilà, après vous êtes libre, hein. Après vous êtes libre, hein. C'est pour moi, là, je préfère. Ouais, Milan, tu sais très bien de quoi je parle. Alors, attends, je vais copier ton lien, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai installé ce putain... De comment il s'appelle ce moteur de recherche là, le nouveau là dont tout le monde me parle à chaque fois là, putain, j'ai oublié le nom. Opera GX, depuis que j'ai installé cette merde, même depuis que je l'ai désinstallé, il faut que je trouve, j'ai dû oublier un truc. À chaque fois que je clique sur des liens, ça me l'ouvre avec ce putain de moteur de recherche. Voilà, Opera, ouais. Et ben ça me fait trop chier. Oh, Sonic and Chill. Oh, ça, j'aime bien ça. Petite playlist de jeux vidéo, c'est pas mal. Ah, par défaut, tu peux changer ça. Oui, mais le truc, c'est que je l'ai désinstallé, du coup, je comprends pas. Du coup, je capte pas. Dans les paramètres Windows, dans l'application. Windows, application. Paramètres Windows. Attends. Paramètres. Application. Application. Non. Application installée. Oh, attends. Attends. Non. Attends, on va faire date d'installation. Ouais, non, date d'installation. Comment ça, j'ai un speed test qui est installé? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Désinstallez-moi cette merde, hein. Pas besoin de ça, moi.
Bon, Spotify, ça c'est encore autre chose. Parsec, nanana, ouais, bon, ça, ok. Nanana, ouais. Je sais pas si je désinstalle ça. Non, gardons-le. Chasing the Unseen, ça on peut le désinstaller. Ça se fait en deux spi. Tunnel Beer, ça c'est bien. Phasmo, ouais, bon, ça en vrai, on le fera plus tard. Bah les couilles. J'arrive pas à trouver. Je te dis, je trouve pas. Alors ça, attends, ça je désinstalle. C'est des gros bâtards. Pummel Party. Bon, en vrai, ça je vais désinstaller tout à l'heure quand j'aurai ouvert le truc. Seekers of Skyveil. En vrai, j'y jouerai pas. On m'a invité au playtest, mais j'y jouerai pas. Ça ressemble à du LOL, mais version extraction. Je trouve ça. Ouais, ça me chauffe pas trop. Je trouve pas. Je te dis, je trouve pas Opéra GX, frère. Je trouve pas Opéra. Et ça me rend fou. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh, Hollow Knight. Faut qu'on y retourne un jour. Hein. Désinstalle Pummel. Ah, mais oui, mais bien sûr. Hein. Bien sûr que je vais désinstaller Pummel. Ça t'inquiète même pas, mon pote. Ça va se faire tout de suite après, là. Une fois que j'ai fini le stream, je désinstalle absolument tout. Ouais, et ben. Je trouve pas. Ça me fait un peu chier, là. Va falloir que je trouve un moyen de le faire. Que je trouve un moyen de le faire parce que ouais, ça me gave. Bon, et ben tant pis, je trouverai plus tard. Sur ce, les amis, ouais, la musique est un peu forte là, non? On va baisser un peu là, comme ça. Ok, non, mais je te dis, c'est trop bizarre. Application par défaut, attends, je vais tester, je vais l'écrire. Application. Application de démarrage, non. Contrôle des applications du navigateur. Peut-être ça. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais je verrai. Je verrai. Je verrai, t'inquiète. Enfin, je verrai, t'inquiète. Ouais, alors ça, on parle de technologie, alors où tu peux t'inquiéter, en vrai. Où tu étais, il y a ça justement. Ok, vas-y, je reteste. Je reteste. Application. Non, c'était quoi, tu m'avais dit? Non. Là, comme ça, non, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de recherche. Oh, ça écoute du Naruto. H24. H24, ça écoute du Naruto, frère. Comme je t'ai dit, t'es sur Windows 11, donc ça doit être différent. Ouais, Windows 11, franchement, j'ai fait la pire erreur de ma vie en mettant Windows 11. Je te jure, ça me fait péter un plomb. En plus, tous les tutos, frère. Tous les tutos, c'est que tu trouves sur Internet, sur YouTube, pour faire des réglages, machin, c'est que sur Windows 10, frère. Donc je t'explique pas la galère quand tu dois essayer de trouver des trucs. C'est un délire. Bon, les amis, est-ce qu'on n'essaierait pas? Non, j'ai peut-être roulé. Est-ce qu'on n'essaierait pas dans 10-15 minutes, là, de sortir jeudi de la merde, un petit peu? Bon, on verra après. Ouais, on verra après, t'inquiète. Dans l'application à gauche, t'as des onglets, non? application. Tintin, Microsoft Store. Est-ce que je t'ai demandé Microsoft Store, espèce de connard? Non, frère, je te jure, ça. Je l'avais il y a 10 minutes. Hein. Enfin, je l'avais il y a 2-3 minutes, pardon. Trouve plus. Fini. Sa mère. Je trouverai une solution plus tard. On s'en fout. Alhamdoulilah. Excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors il y a quelques personnes que j'ai identifiées dans le salon Dofus Temporis, dont toi, Milan. Toi, tu m'as un peu répondu, on en a parlé. Mais du coup, il y a eu des nouvelles sur le Dofus Temporis, là, il y a quelques jours. Donc, Temporis Rétro 3, qui est encore en préparation. Il y aura peut-être du retard. Enfin, ça, c'est spéculation de ma part. Il y aura peut-être du retard parce qu'apparemment, en ce moment, sur Rétro, il y a beaucoup de problèmes. Mais sinon, il y a eu des bonnes nouvelles. On a le thème du 3 qui sera sur Ruchu. Ruchu. Je sais pas comment on le prononce, mais je pense que c'est Ruchu. Donc, ça risque d'être plutôt sympa. Je vous ai tout mis dans un document. Vous avez, hop, alors attends, on va aller directement ici. Je vais vous montrer en deux spi.
Voilà. Alors, je vous ai mis le lore de Rushu. Je vous ai mis des infos supplémentaires, petites infos croustillantes. Donc, on aura l'implantation d'un donjon Grob. Donc, ça, c'est cool parce que c'est un donjon inédit. Et d'ailleurs, il va ensuite arriver sur officiel. Et en vrai, depuis le temps que les joueurs demandent un donjon Grob, c'est trop cool qu'il y ait ça. Il y a enfin. Le Dofus tacheté, alors il y a des rumeurs là-dessus depuis des années et il n'est jamais arrivé. Et là, ça y est, il va y être et il finira lui aussi sur officiel, donc ça c'est trop bien. Je vais cuisiner, bon jeu. Merci Twitcheuse, à tout à l'heure. Enfin, à plus tard et bon appétit. Et ensuite, je vous ai mis un petit peu les différents trucs importants parce qu'évidemment, on va le streamer ce Dofus Temporis, encore une fois. Et on va le streamer activement. Je prévois un rush serveur, donc il faudra qu'on monte une petite équipe. Donc ça serait bien de rester aux aguets. Moi, personnellement, je vais essayer de surveiller un maximum les sorties sur Twitter, etc. Pour savoir tout simplement quand est-ce qu'il va arriver. Je vais essayer de surveiller ça au mieux, histoire de pas galérer comme l'an dernier. Apparemment, on a eu des nouvelles. Y a eu un communiqué d'Ankama, bon, qui a rendu officiel le truc. Ensuite, un communiqué non officiel, mais je pense que le CM n'aurait pas pris la parole là-dessus si il n'avait pas eu l'autorisation de le faire. Y a eu une réponse assez intéressante. Il y avait une question sur un forum. Suite à la Crossmonaute 2024. Alors moi, personnellement, je ne suis aucune news sur Dofus à part celle des Temporis parce que je n'y joue plus. J'ai en effet, comme Chouchou le dit, perdu beaucoup de temps sur ce jeu sans forcément progresser, mais parce que en vrai, beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps pour moi, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'apprendre plein de trucs et du coup de prendre du plaisir sur des contenus un peu plus profonds dans le jeu que me stuff, regarder ma puissance, faire oh, trop bien, j'ai 20 PA, 46 PM, trop cool, vas-y, je vais défoncer des mobs et je vais faire du 1000 dégâts et des coups critiques. Voilà, ça c'était mon fun à moi, et j'ai pas pu vraiment creuser plus loin. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, les trucs qui auraient pu m'intéresser à l'époque ne m'intéressent plus trop maintenant. Pour ça que je suis pas forcément intéressé comment ça s'appelle déjà, la forge magie, tous ces trucs-là. Mais du coup, voilà, il y a quelqu'un qui répondait: Tiens, je suis tout seul, ravi que vous envisagiez de faire des ajouts modifs à rétro tout en prenant la peine de tester sur Temporis pour satisfaire le plus grand nombre. Par contre, nous pondez pas la même bouse que Tempo Rétro 2. Mieux vaudrait attendre 2 ans que de faire une édition comme celle-là. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de défauts. En vrai, elle restait très sympa. Personnellement, j'ai bien kiffé. C'était très cool. Mais ouais, il y a eu pas mal de problèmes, à commencer par le premier problème, qui était qu'ils ont annoncé rétro relativement tard et que un mois avant le début de rétro, tout le monde avait pris ses congés, posé ses congés pour farm le serveur, etc., avec des potes et tout ça. Et un mois avant, ils ont annoncé que le Dofus, le serveur allait être retardé de 1 mois. Voilà. C'était peut-être même plus tôt. Enfin, plus tard que 1 mois avant. C'était peut-être encore plus tard. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui ont pété un plomb. Il y a eu plein de problèmes à la sortie du serveur. Il y a eu des problèmes en cours de route, etc., etc. Et donc, du coup, la réponse, voilà, le concept sera différent de celui de Temporis 2. L'équipe a également conscience des problématiques de l'an dernier et ne souhaite en aucun cas revivre la situation. Côté CM non plus, Community Manager non plus. Tu m'étonnes. Alors, après, c'est Ankama. Donc, à prendre avec des grosses pincettes sa mère. Ok? Parce que les promesses d'Ankama, bon, c'est... Voilà. C'est un peu. Ouais. C'est un peu bancal, généralement. Mais ouais, je crois que c'était pire. Je crois que c'était 1 ou 2 semaines. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je crois que c'était 1 ou 2 semaines et c'était vraiment un carnage. C'était vraiment un carnage. Et ouais, non, ils ont vraiment fait de la merde. Donc espérons que cette fois-ci, ce soit pas le cas. On verra. Mais je pense que, vu le nombre. Enfin, vu le bashing qu'ils se sont pris dans la gueule, je pense qu'ils ont retenu la leçon. Enfin, je l'espère. Après, bon, c'est... Comme je l'ai dit, c'est encadré. Voilà. Il y a des choses qui changeront jamais, malheureusement. Voilà. Dofus, quel enfer, ce jeu a aspiré beaucoup trop de temps, trop de mon temps de vie. Ouais, bon, après...
Moi, perso, j'aime bien retourner sur les temporis parce que c'est cool. Je passe 2 semaines, 3 semaines super intenses dessus, puis j'y rejoue plus pendant 1 an. Puis je repasse 2 semaines, 3 semaines dessus, puis c'est l'éclate, franchement. Et puis en vrai, l'expérience du rush serveur est tellement différente de l'expérience classique sur le jeu. Donc franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment sympa. Et surtout si tu t'organises bien, que tu fais ça avec des potes, bah ça rend le truc hyper fun, je trouve, personnellement. Du coup, ce que je disais, c'est ouais, essayez pour ceux qui voudraient nous rejoindre sur cette aventure, voudraient rejoindre la guilde, voudraient participer au truc, faire partie éventuellement de l'équipe. Parce que je vais essayer de réunir quelques personnes pour faire une équipe de gros tryharders, de gros rushers du serveur avec qui on partira faire des combats, etc. Un petit peu à la manière de ce que fait bon, de ce que font beaucoup de personnes qui font les rush serveurs. Mais genre ce que j'aimerais retrouver, c'est un peu l'ambiance qu'on peut retrouver par exemple avec les rush serveurs de Nosada, qui sont vraiment super sympas à voir, notamment grâce à certains de ses potes qui sont complètement tarés et qui me font beaucoup rire. Déjà, j'espère que les combats seront pas limités à 4. C'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut. C'est comme ce que j'ai dit. Nous passerons au moins 2 semaines sur le jeu à rusher comme jamais on a rushé un serveur. Au programme, sûrement le montage d'une petite équipe active de copains, membres de la commu, en fonction du nombre max de joueurs en combat. On se souvient de la limite de 4 du dernier tempo. C'est vrai que ça, la limite de 4 du dernier tempo, ça avait vraiment cassé les couilles à tout le monde. Et c'était même pas particulièrement intéressant. C'était même pas particulièrement fun, c'était juste chiant. Ça niquait vraiment du plaisir. Non, c'était une galère. C'était une galère, donc on espère vraiment qu'il n'y aura pas ça. Mais comme ils l'ont dit, ils vont prendre les mesures. En tout cas, ils ont capté les leçons. Bon, c'est ce qu'ils disent, hein. Est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. Mais en tout cas, s'ils ont vraiment pris des leçons de l'an dernier, espérons qu'ils ne fassent pas ça pour qu'on soit maximum, vraiment au grand maximum, limité à 6 joueurs. Grand maximum limité à 6 joueurs pour du PVE. Et voilà, c'est 6, ça va, tu vois. Genre, c'est bien une équipe de 6, même si en vrai, on préférait ne pas avoir de limitation, pouvoir rentrer à 8 et être tranquille, quoi. Mais bon, j'avoue que 4, c'était un enfer. C'était un enfer. Mais du coup, voilà, il faudra qu'on surveille ça. Moi, j'essaierai de mon côté de le faire, de vous tenir au courant de l'évolution du truc, des dates officielles qui seront communiquées. Pour le moment, on n'a pas trop de nouvelles parce que c'est vraiment le bordel, apparemment. Sur Retro Ophi. Donc, il y a plein de choses à régler. Mais en tout cas, ils bossent dessus activement et on espère une sortie avant l'été comme ils l'ont promis. J'espère que ce sera le cas. Après, si c'est pendant l'été, bon, il y a les plus jeunes qui seront en vacances, etc. Donc, ce sera mieux pour vous. Mais pour ceux qui font des saisons et tout ça, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, en vrai, je préférerais juste avant l'été, tu vois, peut-être juin, mai, où il y a déjà pas mal de gens qui ont plus de cours, que ce soit à la fac, que ce soit au lycée, tout ça, même collège. Hein, maintenant, les épreuves finales de l'année se déroulent beaucoup plus tôt qu'avant. Nous, ça se passait genre vraiment 5 juillet. Bon, peut-être pas 5 juillet, mais genre genre tout à fait fin juin, début juillet, peut-être un ou deux, tu vois, t'avais encore des épreuves, tu vois, c'était une dinguerie. Alors que maintenant, les élèves, il y en a beaucoup, ils finissent en mi-juin, ils ont plus cours, tu vois. Donc en vrai, ça serait bien de le sortir à ce moment-là. Comme ça, il y a des gens qui bossent, qui seront déjà plus, qui seront plus en, qui seront pas encore en saison ou ce genre de bail. Et c'est cool. Mais ouais, il faudra qu'on vérifie tout ça. Faudra qu'on vérifie tout ça. On va repasser en discussion, bam. Mais en vrai, chouchou, ça serait bien que tu viennes. Ce serait marrant, je pense. T'es pas obligé, genre, de faire des dingueries avec nous, tu vois. Genre, moi, je pense que je vais facilement streamer 15 heures par jour dessus, tu vois. Facile, tous les jours. Je vais choisir un métier ou deux métiers à faire. Et genre, pendant 3 semaines, je vais me détruire, hein.
L'objectif toujours bricoleur, bûcheron, mineur, tous ces trucs-là. Et farming de ressources à balles pour être à l'aise, quoi. Des gens qui seront sur la forge magie, des trucs comme ça. Et puis après, juste, juste après, on va s'amuser en fight, tu vois. On fait du level up tranquille avec les copains, ça sera marrant. Genre, on s'en fout. C'est vraiment à l'ancienne, tu vois. Si on sera avec des Espagnols, là, busco grupo. Ça va être sympa. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon, après, c'est vrai que si t'as vraiment pas de temps, ce sera un peu compliqué. Mais même sans participer à ce côté-là ultra rush, ultra actif, ça peut être fun en vrai. Enfin, moi, je sais pas, c'est vraiment la nostalgie qui me fait parler et le kiff de jouer avec les copains. Maintenant que c'est possible, parce qu'à l'époque, même si j'avais envie de jouer avec les potes, je pouvais rien faire. J'avais un PC éclaté, même en LO, personne sur internet chez moi, je buguais de fou. Mais maintenant que je peux me le permettre, en vrai, je me dis que ça peut être sympa. Je me dis que ça peut être plutôt sympa. Voilà. Donc, si vous voulez avoir des nouvelles là-dessus, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas, vous allez tout simplement prendre le rôle, voilà, dans les rôles ici, au niveau de la catégorie Checkpoint. Alors, soit vous avez au-dessus, soit... alors non, salon et rôle tout en haut, c'est pas là-dedans. Vous avez un rôle spécial que vous pouvez cocher pour ne pas avoir le salon Dofus Temporis si vous voulez pas de notification là-dessus. Mais du coup, vous allez dans rôle, dans Checkpoint, et vous avez cliqué sur l'emoji dessus pour débloquer le salon Dofus Temporis dans la catégorie jeu. Et suivre les informations des rushs serveurs. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez faire ça, si vous voulez participer éventuellement, eh ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, on va partir sur Beyond Two Souls, je pense, dans 5-10 minutes. Un truc dans le genre. En attendant, on kiffe bien la petite playlist en vrai à Kuro. Ton petit Sonic, là, il me rérait. Il me met trop bien. Je pensais pas que je kifferais. Mais c'est vrai que la musique de Sonic, en vrai. Je crois que ça fait partie des rares jeux. C'est partie des rares jeux auxquels j'ai joué Sonic quand j'étais gamin, auxquels j'avais pu jouer et qui étaient sympas. Je crois qu'il y avait une version navigateur, non? Il n'y avait pas une version Sonic sur navigateur qui pouvait être jouable? J'ai un souvenir comme ça, mais je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si c'est le cas. J'ai l'impression que c'est un faux souvenir. Je sais plus. Sonic sur navigateur. Attends, je vais regarder. En vrai, ça m'intéresse. Sonic sur navigateur, tu sais, c'est vraiment les jeux de la dèche là, quand t'as pas de console et tout, que t'as un Windows 95. Nanana, jeu de Sonic, jouer en ligne, machin. Ah ouais, mais il y en a à balle en vrai. Ah ouais, il y en a à balle. Ah oui, je pensais pas. Sonic RPG 9, Sonic RPG 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nanana. Sonic Battle, Advent Neon, Sonic Advance 3, Sonic Advance 2. Ah oui, Sonic and Knuckles. Il y a du FNAF Sony. Il y a du Super Mario, Super Smash Flash. Ok. Ah ouais, il y a beaucoup en fait de Sony sur navigateur, je pensais pas. Et ils se font pas alpaguer. C'est qui Sony déjà, c'est quoi? C'est Nintendo? C'est Capcom? C'est qui Sony? Ça appartient à qui Sony? Sony The Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Pourquoi Sony? Je suis trop con. Salut Nexos, ça va? J'ai partagé un petit tweet hier sur les tests, sur l'émission d'hier. Ah mais oui, putain, c'est Sega! C'est Sega! Putain! Sega, c'était trop bien. C'était vraiment une console de fou. Hein. Enfin, du souvenir que j'en ai, genre j'ai trop kiffé. C'était là-dessus que j'allais jouer chez des potes. Ils avaient une Sega Station. C'était trop bien. C'était trop bien, frère. Je me sens tellement vieux quand je parle de ça. Alors qu'en vrai, c'était de la balle. Hein. C'était cool. Hein. Il n'y a rien sur X. Quoi, il n'y a rien sur X? Comment ça? J'en ai parlé hier. J'ai littéralement tweeté dessus. Donc, si, si. Je t'envoie le tweet. Hop. Bah tu m'as dit que tu as mis un X.
J'avais la Mega Drive. Putain, moi j'avais plein de potes qui avaient des consoles de fou. Et non. Non, en fait, pas de possibilité pour moi d'avoir de console à cette époque-là. Mais du coup, c'était trop bien d'aller chez eux. Genre, il y avait des PS1, des PS2, des GameCube. C'est là-bas que j'ai découvert la GameCube d'ailleurs chez des potes. Puis la Xbox 360. Il y avait la Sega Station, il y avait la Mega Drive, il y avait Nintendo 64 aussi. Tout ce qui était Game Boy et tout ça. Moi, à l'époque, j'avais rien du tout. Et c'était incroyable. Moi, je vais lancer un petit live Valo là. Bah écoute, amuse-toi bien. Merci d'être passé ou pour laisser un lurk, je sais pas, mais c'est sympathique. C'est sympathique, merci beaucoup là. Merci beaucoup en fait. Et bon live à toi. Bon live à toi. On a reparlé un petit peu de ton jeu hier avec Chouchou. Et peut-être qu'il te contactera là-dessus sur quelques petites choses qu'il trouvait peut-être un peu, pas forcément dommage, c'est pas du tout le mot. C'est au niveau des priorités de ce que de ce que tu nous avais envoyé en termes de mise à jour à faire, qui trouvait peut-être que tu partais trop vite sur des contenus qui devraient venir plus tard, tu vois. Salut Soigneur, tu vas bien? Yobabtou, comment il va? Ça va, quelques mésaventures aujourd'hui avec le chat, mais tranquille, tranquille, ça va bien. Ouais. Eh ben, je sais pas si t'as contacté du coup, mais voilà, je te raid à la fin si t'es encore en live. Ça marche, bah en vrai, je devrais live jusqu'à... Il est 18h22, je devrais live jusqu'à 21h, un truc comme ça, 21h30, on verra. Nintendo, c'est le petit studio qui a fait Palworld. Ah non, je confonds avec un autre petit studio. Ouais, donc je te raid. Ok, ça marche. Bah merci beaucoup, Nexo, c'est très sympa à toi. C'est très sympa à toi. De ta part, pardon. Oh, les images de sable, là. Putain, j'ai hâte de sortir putain de vidéo, là. On essaiera de faire ça le 2 mars. Hein. Si j'arrive à vous la sortir le 2 mars, je serai content. Et toi, du coup, soigneur, par contre, pardon, tu me demandes et je te dis même pas... Petite semaine de congé là, rien de spécial de mon côté. Oh bah ça va, petite semaine de congé, ça se met bien, dis donc, ça arrête de travailler comme ça, alors que c'est vous qui sauvez la France, hein, les soigneurs là. Putain, et d'ailleurs, je vais te demander, t'es où Enfin, je te demande pas quel hôpital tu bosses, mais tu bosses dans quoi? Enfin, dans quel coin? Genre grande ville ou plus campagne? Et en infirmier, t'es libéral ou hôpital? Institut de cardiologie à Montréal. Ok. Ah ouais, donc c'est... Ouais, c'est chaud. C'est chaud. En vrai, la cardio, ma meuf a fait deux stages dans la cardio. Oh, l'ambiance est pas folle folle, hein. C'est beaucoup de... Disons qu'il y a peu de gens qui sont là-bas, qui sont en bon état, quoi. Les urgences, la nuit. Merci Nexos pour le lurk. Ah ouais, aux urgences, urgence cardiologie. Chaud. Chaud. Bah bon courage, hein. Mais t'as raison, repose-toi. Évidemment que les soigneurs ont besoin de se reposer. Ouais, d'ailleurs, ils devraient beaucoup plus se reposer que ce qu'on leur permet. Après, je sais pas comment ça se passe au Québec, si votre système de santé est complètement broken comme le nôtre en France. Et quand je dis broken, attention, pas en mode ouah, trop bien, tu vois. Là, le nôtre, il y a beaucoup de gens dans le monde qui l'envient, mais il est en train de se faire massacrer depuis des années. En vrai, je travaille 8 jours et j'ai congé 6 jours. Le cycle recommence. Ah, mais du coup, comment ça, tu travailles 8 jours et t'as congé 6 jours? Sérieux? C'est surchargé ici comme en France? Ouais. Et politiquement parlant, c'est le bordel aussi. Genre les acquis, etc., qu'il y avait pour l'hôpital, ça devient n'importe quoi. Les horaires sont faits comme ça? Putain, faut que je dise ça à ma meuf. On va déménager à Montréal, frère. Enfin, on va partir au Québec, frérot. Elle va kiffer. Elle dit, attends, t'es en train de me dire que je peux avoir la sécurité de l'emploi et en même temps, je peux avoir les horaires d'un libéral? Oh là! Oh là, attends, on va peut-être envisager un déménagement. On va peut-être envisager un déménagement. Il y a moyen.
En vrai, ça serait marrant que je finisse au Québec. Quand j'étais gamin, je disais que mon rêve, c'était de partir au Canada. Pour la simple et bonne raison que j'aime la neige. Voilà. Je vais pas te mentir, c'est la belle vie quand même. Bah, j'avoue que c'est plutôt propre, hein. J'avoue que c'est plutôt sympa. Bah, en fait, ça te permet vraiment genre d'avoir ton activité principale, on va dire, et derrière de t'épanouir sur des loisirs ou sur d'autres pratiques. Tu vois, tu peux faire genre en vrai, tu peux faire deux métiers en même temps. Tu peux faire deux métiers en même temps. Genre, tu peux être auto-entrepreneur d'un côté, peut-être sur de la création artistique ou des trucs comme ça, ou du stream ou j'en sais rien. En tout cas, des jobs que tu peux faire à temps partiel. Et d'un côté, tu peux avoir ton job de l'autre côté qui est vraiment cool. Genre, d'un côté, t'es ton propre patron, tu gères tes horaires, tes machins. Et de l'autre, t'as ton taf classique, quoi. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt permissif, c'est sympa. Mais le système est copié sur le système français. Mais seulement pour le Québec, pas pour le reste du Canada. Ok. Tous mes collègues français disent que c'est le jour et la nuit. Ils ne retourneraient pas travailler en France. Ah bah ouais, non mais normal. Normal. Non, non. Ma meuf, c'est... Genre, c'est 7 jours sur 7 si elle bosse 8 heures par jour, 9 heures par jour. Ouais, je crois que c'est 8 heures par jour. Et c'est... Non, c'est pas 7 jours sur 7. C'est 6 jours sur 7, à peu près. Ou 5. Et sinon, c'est 3 jours. 3 jours sur 7 si elle bosse 12 heures par jour. Tant dire que c'est l'enfer. Et c'est toutes les semaines, évidemment. Il n'y a pas de congé entre les deux. Il n'y a pas de... Genre, je crois qu'en termes de vacances, c'est classique, tu vois. Mais là, avec sa formation, du coup, puisqu'elle est en formation, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'elle fait... Genre, elle préfère tomber sur des... Elle préfère tomber sur des stages où elle fait 12 heures par jour et elle bosse 3 jours d'affilée, ou 3 jours dans la semaine, que l'autre solution. Parce qu'en fait, quand elle rentre, et ben, elle doit retaffer sur sa formation, faire un mémoire, machin, continuer à bosser. Dans ses stages, en fonction avec qui elle tombe, on lui file des tâches à faire, des trucs à réviser. Il faut aussi savoir que du coup, vu qu'elle connaît pas forcément les services, qu'elle change d'endroit et tout ça, faut qu'elle prenne ses marques. Donc du coup, elle essaye de revoir un petit peu dans sa tête le soir comment ça se passe. Elle prend des notes en journée, machin. Elle doit faire des comptes rendus, rapport de stage. Elle doit faire en sorte que son stage soit validé. Donc elle est ultra active sur des trucs. Elle doit essayer de faire presque du social avec les personnes avec qui elle bosse pour que il lui donne du temps d'apprentissage, tu vois, parce qu'il y en a plein qui sont en mode fais chier, j'ai une stagiaire, bon vas-y, je fais les trucs et puis elle fait ce qu'elle peut, tu vois, mais genre ils aident pas du tout, ils accompagnent pas du tout, mais parce qu'ils sont morts en fait, ils sont morts, ils ont pas le temps, c'est du rush H24 à cause des conditions. Juste le logement, attends, non 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 non, oui ici c'est travailleur autonome. Je crois que tu peux faire 30K par an, c'est ça, j'imagine. Juste le logement qui coûte un bras ici. Ah ouais? Comment ça coûte un bras? T'as des data à partager un petit peu là? Ouais, je suis curieux. On se rend pas compte, mais de bons jours de congés consécutifs, c'est primordial pour survivre à long terme. Mais de fou. De fou. Moi, ma meuf, c'est ce qu'elle me dit H24. Mais j'en peux plus. En fait, genre, je peux pas enchaîner. Je rentre chez moi super tard ou je rentre chez moi à une heure normale, mais je suis crevé. Je dois continuer à bosser derrière. Et après, eh ben, il faut que je m'occupe des trucs classiques dans la baraque, genre se faire à manger ou des trucs comme ça. Moi, j'essaie de l'aider au maximum possible là-dessus, tu vois, pour essayer de lui éviter de perdre du temps. Mais du coup... Elle arrive, elle se tape une heure de transport sur le périphérique de Toulouse pour rentrer à la maison. C'est une horreur. C'est une horreur. Disons qu'un logement récent sur Montréal, ça doit être dans les 1500-2000 euros pour deux chambres en location. Mais c'est un enfer. 1500-2000 dollars. Donc ça fait un tout petit peu moins, genre ce serait 1300, entre 1300 et 1800 euros
pour deux chambres. Mais c'est une dinguerie. Ça a doublé depuis 3-4 ans, oui. Mais pourquoi? Pourquoi ça a doublé? Genre, c'est pas... Enfin, c'est des sommes de malades, là. La moyenne. Ouais, en moyenne, tu veux dire? Mais c'est ouf, frère. Hein. Déjà, nous, on paye un loyer, là, on le trouve abusé, tu vois. Parce que franchement, l'appart, il est pas grand. On a deux pièces, sans compter la salle de bain et les chiottes. Le salon, je crois qu'on a... On a 30 mètres carrés. Salut, Papa Bong, bienvenue à toi. Comment ça va? Mais ouais, c'est assez violent, tu vois. On a quoi? 30 mètres carrés, 25 mètres carrés. On a une terrasse qui est pas gigantesque, mais tant mieux. Et c'est 650 balles, un truc comme ça, 680 euros. Tous les ans, on nous dit que ça prend 10 euros ou 30 balles, tu vois. Derrière, t'as les charges à payer des abrutis parce qu'on vit en résidence qui font de la merde avec le tri des déchets, etc. Et donc, du coup, t'es obligé de payer les charges supplémentaires qui incombent à la résidence. Donc, je crois que l'an dernier. Enfin, l'année dernière, on a dû payer 200 euros à la fin de l'année, en plus, pour tous les frais. Voilà. Tout le monde devait payer ça dans la résidence pour quelques abrutis qui font de la merde. C'est abusé. Bah, ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Là, appart que j'ai visité pour trois chambres, c'est tout neuf, c'est 1650 euros en location. Mais putain, mais j'espère que vous avez des salaires de bâtard. Hein. Moi, je paye pas cher, ça fait longtemps que je suis au même endroit. Ok. Ouais, ils ont pas augmenté du coup le truc. Après, c'est 120 mètres carrés, 140 mètres carrés. Ah oui! Ah oui! Après, ouais, non. Alors, en France, en vrai, c'est un peu pareil. Hein. En France, en vrai, c'est un peu pareil. Hein. Pour un appart de 100 mètres carrés, quand j'habitais à Montpellier, en plein sur la place de la Comédie, donc bon gros appart, tu vois, il faisait 100 mètres carrés, c'était plutôt pas mal. Il avait une isolation de merde, mais très bien. Appart haussmannien et tout, troisième étage. Franchement, c'était cool à côté de tout, tu vois. Et du centre historique de Montpellier. Avec les lignes de tram, tout ça qui nous envoyait partout. C'était 1300 balles, si je dis pas de conneries, Chouchou, non? C'était 1200, 1300 balles, mais on était en coloc, tu vois. On était en coloc de 4 personnes, ça nous faisait du 320 euros par personne, à peu près, un truc comme ça. Et franchement, franchement, c'était cool. 330 euros par personne, je crois, un truc dans le genre. Et c'est gérable. Mais donc ouais, ça m'hallucine pas de me dire qu'un appart de 120-140 mètres carrés peut coûter 1500 balles par mois, tu vois. 1600, 1650, ça fait quand même pas mal, hein. C'est quand même beaucoup. Ouais, dollars, pas euros. Oui, non, mais t'as capté. Toronto, c'est pire. Vancouver, c'est encore pire. J'ose pas imaginer. J'ose pas imaginer le délire. Après, c'est des villes à une échelle. Ouais, c'est pas Montpellier, tu vois. Montpellier, je trouve ça grand, mais ouais, Toronto, Montréal, Vancouver, c'est. Ça doit être encore un autre délire, un autre enfer. Je pense en taille, c'est similaire à Paris. Il y a combien de. Y a, attends. Population. Population Montréal 1,78 million. Population Paris 2,161 millions. Ok. Population Toronto merde, j'ai remis Paris, je suis con. Toronto 2,93 millions. Ouais, donc là on est quand même bien au-dessus de Paris. Et l'autre, c'était quoi? Tu m'as dit Vancouver? Population Vancouver. On a quoi? Oh, c'est petit Vancouver! Ah bon? Oh, je pensais pas que c'était si petit. Il y a 600 000, 675 000 personnes. Ah ouais, mais en. Ah ouais, mais en 2017. Population Vancouver 2023. Ah oui! Ah oui, ok. Alors attends, 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 c'est différent. Population de Vancouver en 2021,
Mais Vancouver même, c'est 662 000 habitants, donc ça a baissé, on dirait. C'est bizarre. Pourquoi ça aurait baissé? Par contre, population de l'aire urbaine, donc avec toutes les banlieues qui sont autour et tout ça, c'est 2 842 000 habitants. Bon, j'imagine que dans les autres villes, ça doit être encore plus. Mais ah ouais, c'est un délire. En vrai, Vancouver, je pensais pas que c'était aussi petit. Mais du coup, ça fait, ouais, ça fait beaucoup, quoi. Ici, si c'est pas neuf, c'est du bois et du PQ. Tu vas payer ça peut-être 1 200 $, mais bon, pour entendre les voisins, voilà. Putain, ouais, c'est un peu pareil. Bon, après, nous, c'était bâtiment historique, donc c'était autre chose. Donc c'était pas aussi peu qualitatif. On avait une isolation de merde. Ça faisait chier au niveau du salon. Mais après, on a eu de la chance sur l'isolation phonique. Je sais pas trop comment c'était, parce que, genre, on avait un appart en face qui appartenait à une mémé à la retraite qui était jamais là, qui avait un autre appart à côté et qui était jamais là. Et en dessous de nous, on avait parce qu'on avait qu'une voisine, qu'un appart à chaque palier, donc il y avait deux apparts par palier. Et en dessous de nous, c'était un cabinet d'avocats. Donc le soir, ils n'étaient pas là, donc en vrai, on était tranquille. 4 342 000 Montréal en comptant la zone périphérique. Attends, vas-y, attends. Paris en comptant la zone. Quelle est la population de Paris et sa banlieue? Bon, frère. C'est une dinguerie, hein. Frère, 7 086 619 personnes en 2020. Donc là, c'était il y a 4 ans. Putain. Ah, oh, le délire, hein. Non, c'est pas 12 millions. Non, putain, 12 millions, ce serait abusé. Attends, attends. Fais voir. Population Paris et banlieue. Et banlieue 2024. On va voir, est-ce qu'on a. Nanana. Au 1er janvier 2024, la région la plus peuplée de France était l'Île-de-France. Cette région, divisée en 8 départements, est traversée par la Seine, comprend Paris, sa banlieue et des zones rurales. En France métropolitaine, la population totale. Nanana. Attends, fais voir. Un autorisé. Ah ouais, putain, un nombre d'habitants en Île-de-France, c'est 12 317 000 personnes. Hein. Oh la dinguerie. Ah ouais. Oh, il y a toutes les stats de département. Ah non, pas toutes. Mais voir Bretagne. Eh, les Bretons, vous êtes nombreux, hein. Les Bretons, vous êtes nombreux, hein. 4 millions, hein. Non, 3 400 000. La Bourgogne, on est là. 2 800 000. Putain, c'est beaucoup en vrai. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah si, c'était. Bah si, en fait, il y a toutes les régions, je suis con. Eh, le sud, hein. Le sud, monsieur. 5 127 000. On est bien là. Occitanie. 6 millions. On est bien aussi. Putain, il y a du monde. Ah ouais, Auvergne-Rhône-Alpes. 8 millions. Putain, je pensais pas. J'aurais pas du tout pensé. Non, c'est pas plus. Si, si, je vais jouer, mais je fume avant de jouer, et après, comme ça, on peut enchaîner. Putain, mais c'est impressionnant, en vrai. Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes juste en Île-de-France. 12 millions de personnes, vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est vraiment énorme. Bon, cela dit, je pense que ça va être le moment, en vrai, de lancer. Ça va être le moment de lancer, quand même, hein. On va ouvrir déjà Steam. Ouais, ça fait du peuple, hein. Ça fait du peuple. La densité de population, elle est énorme, hein. Et moi, j'étais pas allé à Paris depuis une quinzaine d'années quand j'y suis allé dernièrement pour un concert du Wu-Tang. Ceux qui connaissent pas Wu-Tang Clan, c'est un groupe de rap mythique des USA. Il y avait le concert. C'était un concert Wu-Tang et Nas. C'était trop bien. Et du coup, quand j'y suis allé, quand je suis rentré, je suis allé en voiture, en stop. Pas en stop, en blablacar, donc en covoiturage. C'était pas prévu, hein. Je devais y aller en train à la base, mais il a été annulé à minuit, la veille du jour où je devais y aller. Donc, littéralement 9 heures avant.
Et j'ai réussi à trouver un covoit dans la nuit parce qu'il y a une daronne qui a mis son annonce et qui dormait pas. Si, qui dormait, mais qui s'est fait réveiller par son téléphone. Donc j'ai eu trop de chat. Mais du coup, on a mis 10 heures pour y aller. Et quand on a passé la porte, je sais pas, attendez, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais regarder sur Google Maps en 2-2. Google Maps, nanana. Fais voir, je veux juste voir un truc. Non, merde, c'est pas ça du tout que je voulais. Google Maps, nanana. Là, je dézoome. Attendez, on va regarder ensemble. Le Québec, c'est genre 7-8 millions pour 5 fois la superficie de la France. Ah ouais, putain, c'est beaucoup moins dense. Du coup, quand tu rentres, genre nous, ce qu'on avait fait, c'était quoi? On était passé par où? On était parti de Toulouse, là. Donc on est monté comme ça. On est passé ici, jusqu'à Limoges, sur la A20. On est passé par là, on est arrivé à Orléans. Et je crois qu'on est rentré dans Paris par... par là, là, par les Ulis, Palaiseau, Villebon-sur-Yvette, machin. Et quand t'arrives ici, là, ou Villebon-sur-Yvette, là, en fait, tu passes un espèce de Porsche qui est assez gigantesque. En fait, ça ressemble à un Porsche de notre point de vue, mais c'est certainement un endroit pour faire passer une route. Et genre ensuite, là, bam, tu rentres dans la ville et tu vois plus l'horizon, frère. Tu vois plus l'horizon. Genre, c'est terminé. C'est terminé. Et j'ai ressenti une espèce de sensation, frère, mais de claustrophobie. J'avais jamais vécu ça, mais une dinguerie. Une dinguerie. Tu guesses? Ah, je guesse ici. Hein. Moi, je guesse que c'est là. Je guesse que c'est là. On est passé là. Et là, mec, gros pont sa mère. Et là, claustrophobie. Là, là, ça y est. Là, c'est claustrophobie directe, frère. Y a rien à faire. C'est une horreur. Minutes avant qu'on doive terminer, j'étais dans les bouchons à l'Ardenne. Sauf que ben moi, ma voiture, elle était au Attendez. siège à l'autre. Voilà, bah tiens, on parlait tout à l'heure de l'emploi du temps des soigneurs. Ma chérie qui vient d'arriver et qui vient de me dire t'as vu le retard que j'ai eu? Moi j'ai pas trop fait attention à l'heure donc j'ai pas remarqué, mais elle m'a dit en gros bah du coup vu que je suis en stage, on était à l'autre bout de la ville, la meuf avec qui je pars en voiture toute la journée, et ben elle m'a ramené là où, enfin elle m'a ramené au parking de l'institut, et du coup j'ai dû me retaper les bouchons ensuite, donc 45 minutes plus 45 minutes, 1 h 30 de retard frère, 1 h 30 sur la route après le boulot. Évidemment t'es pas payé, hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref, sur ce, on va lancer notre petit jeu. Beyond Two Souls. D'ailleurs, je rappelle que le deuxième épisode du Let's Play est disponible sur YouTube depuis 2 jours. Donc, si vous voulez aller regarder, il est sympa. Beaucoup de galères. Un petit peu de pétage de plomb dû au réglage. On va essayer de rester serein aujourd'hui, mais... Ouais, la pure joie. La pure joie. Vraiment, elle kiffe. Attendez, je vais lui demander. Mon cœur, t'as kiffé être en retard? Là, 1 h 45, ça fait un peu chier, heureusement, on n'a pas voté. Ouais, Skip, ça fait un peu chier quand même. Et t'es payé pendant pendant toutes ces périodes? Il y a une partie que je peux déclarer en heure sup. Ah ouais? Oh! Non, mais attends, attends, attends. Moi, c'est juste que je vais pas être payé, c'est qu'ils vont m'enlever des heures. Ah, ok. Parle-lui de mon horaire, vas-y. Il y a El Soigneur dans le chat qui est au Québec, qui est soigneur au Québec, qui bosse aux urgences en... Non mais... Ben, c'est parce qu'il s'appelle El Soigneur, c'est pour ça. Mais vous êtes des healers, hein, arrêtez de... de chipoter, là. Et bref, du coup, il bosse aux urgences en cardiologie, à l'Institut de Montréal. Et il m'a expliqué ses horaires, comment ça fonctionne là-bas. Et apparemment... il bosse 6 jours ou 8 jours. Non, il bosse 8 jours et il a congé de 6 jours. Oui. Tu le prends comment? Bah, c'est comme nous quand on est en 12 heures et qu'on fait du 40 heures, mais sur 3 jours, et du coup, après, on a 4 jours de congé. Ouais. Ou 5 jours de congé. Mais... Ouais.
Tu bosses combien d'heures par jour sur les 8 jours, soigneur? Après Montréal, les métros, pas mal, franchement. Ouais, on en a aussi, mais pas partout. Bon, ça va, elle le prend mieux que ce que je pensais. 8 heures par jour? Oui, moi Ok. c'est normal. Moi je préfère condenser et après tranquille. Ok. Bon, et bah écoutez, je pensais qu'elle allait râler, mais non. Elle est trop mature. Elle est beaucoup plus mature que moi. Alors, les amis, je vais essayer de pas faire de la merde. Désolé pour le petit bruit d'impact sur le micro. On va vous mettre le jeu. On n'en doutait à aucun moment. Allez, hein. Allez, hein. Putain. Beyond Two Souls, Justim, bam. Voilà, je vous monte un petit peu le son. Non, là, la musique est un petit peu forte quand même, hein. On va continuer. Hop, on est parti les amis. Normalement, il faut que je vous mette le son à fond là. Vous me direz si les dialogues sont assez ou pas. En 10 ans dans la CIA, j'ai jamais vu un truc pareil. Le patron a envoyé son propre hélicoptère pour ramener un agent. Toutes les grandes huiles sont dingues de toi, Jody. De toi et d'Aiden, bien sûr. Jody? Tout va bien? Ah, écoute, je sais que c'était difficile, mais c'est fini. On rentre. Une autre mission accomplie, d'accord? J'oublierai jamais ce que j'ai vu là-bas, Ryan. Jamais. Donc là, on rappelle qu'elle vient littéralement de se faire utiliser comme une arme de guerre hein, sur le terrain pour, j'imagine, une guerre américaine classique hein, dans un pays pauvre. Et elle a dû massacrer des gens, etc. etc. Donc, grosse ambiance. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle elle est pas bien du tout et qu'elle est un peu traumatisée, c'est que... Elle a été sauvée à un moment donné par un petit garçon qui l'a guidée à travers la ville et comment va ta jambe? Elle accomplit sa mission. Mieux quand l'antidouleur fait effet. Et il s'avère qu'à la fin, sa mission consistait à tuer un gars et que ce gars était en réunion avec plein de gens et parmi ces gens, il y avait le père de cet enfant et ça l'a, ouais, ça l'a bien attaqué. Et la communauté internationale vient de nous annoncer la reconnaissance officielle de l'élection du nouveau président Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, l'un des plus dangereux chefs de guerre du pays. Non. Toutefois, certaines sources indiquent que Sharif et l'ensemble de son gouvernement ont été assassinés au cours de ce qui semble être une attaque non Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Beaucoup espéraient que le président nouvellement élu, Jamal Sharif, serait capable de mettre un terme aux hostilités qui ravagent son pays depuis tant d'années. Plusieurs chefs d'État ont déjà exprimé leur indignation devant ce qui leur paraît être rien de moins qu'une abominable exécution préméditée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Ça, c'est le gamin. Dont on a tué le père. Tu m'as menti. De quoi est-ce que tu parles? Jamal n'était pas chef de guerre. Il était président. C'était le président élu démocratiquement. Ouais, et alors? On n'est pas des politiciens, on avait des ordres. Tu savais que je l'aurais jamais tué. Alors tu m'as menti. Bienvenue à la CIA, Jody. On n'est pas des enfants de cœur, au cas où t'aurais pas remarqué. On avait un job à faire et on l'a fait, c'est tout. C'est peut-être juste un putain de job pour toi, ok? Mais je m'amuse pas à liquider les gens parce qu'un connard de général 4 étoiles me dit de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, tout à l'heure, soigneur. Ok, je dis, écoute-moi, calme-toi, ok? On en parlera quand on sera rentré, d'accord? Tu m'as manipulé! Tu t'es servi de moi pour faire ton sale boulot! Et quelle différence ça fait, Jody? Cet homme était condamné avec ou sans ton aide? J'ai du sang sur les mains! Un gamin a perdu son père à cause de moi! Parce que je te faisais confiance! Parce que je croyais qu'on faisait ce qui était juste! Je suis quoi pour toi, Ryan? Un jouet?
Un putain de pantin à qui tu peux faire faire tout ce que tu veux. On traverse une zone de turbulence. Merde ouais. La turbulence, frère. Judy, arrête, putain, tu vas tous nous tuer. Plus personne ne mentira jamais, Ryan. Oula. Ah ouais. Merde. Ah ouais, d'accord. Ok. Et Aiden, il sait gérer ça, les chutes comme ça. Bon, visiblement, c'est bon. Bah, c'est un chef de guerre, un président. Ouais, bon, je vais jouer sur les mots. La salle de bain, c'est par là. Quoi? Ah, ok, je viens de comprendre la vanne. Ah, putain. Ouais, là, j'avoue... coup de putain. Qu'il y a fait. Ils se sont servis de moi. Pour tuer tous ces gens. Jody, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais pas. Je pensais qu'obéir aux ordres. Où est-ce que tu es? Est-ce que Clayton est là? Non, je me suis enfui. Non, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Ils vont te traquer et te retrouver. Tu dois te rendre, Jody. On discutera. Je suis sûr. C'est fini, Nathan. Je veux plus être leur jouet. Tu leur diras bien que s'ils essaient de me retrouver, je les tuerai. Jody, écoute. Dis-leur, Nathan. Je les tuerai. Remake de Taken. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Depuis qu'elle a 6 ans, elle est utilisée même par ce fameux Nathan qui... avec qui elle a créé des liens forts, mais parce qu'elle était enfant, et qu'elle avait été abandonnée par ses parents. Mais même si c'était pas un jouet pour eux, c'était un sujet de recherche, quoi. Ok, alors, Ryan embrassé, machin... Ah, donc c'était même pas la fin du chapitre la dernière fois. Eh ben écoutez, tant pis, mais c'est bien, ça nous permet de faire la... Ça nous permet de faire la transition, c'est cool. Voix non découverte. Ok, on l'a pas fait. Ok, on fait suivant et on est parti pour la suite. La scène de l'anniversaire. Ouais, la scène de l'anniversaire. Bah justement, quand on a fait le let's play, c'est... on l'a appelé 50 nuances de harcèlement. Et ouais, niveau harcèlement, enfin, on s'est bien défendu. On est allé jusqu'au bout. Enfin, pas 100%, mais on a fait le taf. Non, mais c'était, j'avoue que la scène était horrible. Donc là, on est dans le train, machin, et on est en cavale. Ouais. J'aime pas les gens qui ont des casquettes dans le train comme ça, là, tu sais, surtout dans ce genre de scénario. Parce que du coup, ça fait un peu... Bon, alors nous, on a casquette plus machin, mais on est en cavale. Mais du coup, ça fait un peu penser aux espions, aux mecs qui te surveillent. Ah ouais, attends. Il peut... Ah ouais, d'accord, donc Aiden... Attends. Aiden, il veut faire quoi, là? Aiden, il veut foutre la merde? Il veut s'amuser? Non. Vas-y, on surveille un peu les gens. En vrai, ils ont l'air cool, tu vois. Est-ce qu'on les emmerde, les gens? On va pas les emmerder. Ils ont rien fait. On va voir. Je peux monter au-dessus? Non, je peux pas monter au-dessus. Et là, je suis limité. Mais on dirait que je suis obligé de faire des conneries. On va voir, est-ce que... Non, je peux pas quitter Aiden. Vas-y, on essaie de pas emmerder les gens. On va voir si ça passe. Lui, il fait ses bails tranquille, on peut rien lui faire. On va essayer de réveiller Jody. Ok, on réveille Jody, comme ça on fait pas chier les gens. Aiden, parce que sinon on va se faire repérer. Ouais, ils vivent leur vie au calme, les pauvres, j'avoue. Après, Aiden, on a remarqué qu'il était un peu con. Bon, visiblement, elle veut pas se réveiller, et nous, on veut qu'elle se réveille. Donc notre seule possibilité, c'est de faire chier les gens. Notre seule possibilité, c'est de faire chier les gens. Bah, on va les faire chier. Ah non, ok, c'est bon. Ok, il suffisait de passer le temps. Ok, bon, bah, on s'est occupé. Mais Aiden, il nous laisse beaucoup de possibilités quand même d'utiliser Aiden de manière à ce qu'il soit un peu mesquin, un petit peu jaloux, un petit peu... en tout cas, émotionnellement instable, on va dire. Oh putain, il y a les keufs qui nous attendent.
Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon. Jodie. Oui, c'est bon, elle capte. Aiden, écoute, je t'avais dit de... Y'a les keufs, en fait. Pas toujours un petit con, hein. Je carie aussi. Attends, mais ça redémarre. Est-ce qu'il y a des keufs qui sont montés dedans? Putain, ils sont montés dedans. Bonsoir. Shit. Contrôle de routine. Est-ce que je pourrais voir vos papiers? Oui. Vos papiers. Vas-y, on se lève, on se casse. Madame, retournez à votre place, s'il vous plaît. Merde, c'est elle! C'est elle! Et merde. Ok, ça passe. Ça passe. Il faut que je cours. Vas-y. Plus d'un geste! Police! Vas-y, ça passe ou pas? Ouais. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Merde. Non, ça passe. Allez, vas-y. On va se faire choper, hein. Hey, faites gaffe. Ok, vas-y. Merde. Shit, j'arrive pas du tout à me servir des... Vraiment, les QTE, je suis trop mauvais. Les QTE, je suis trop mauvais. En plus, ils marchent une fois sur deux. Hey, ça va pas. J'ai même pas compris la consigne. Est-ce qu'il y avait une consigne? Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Vas-y, on matraque le 1. Vas-y, ouvre. Non, on peut pas passer. Vite, Aiden. Vas-y, on pète la vitre. On pète la vitre, on se casse. Vas-y, let's go. C'est chaud un peu. On monte sur le toit. Malin, ça. Bon. Vas-y, on secoue. Bam. Oui. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Vas-y, assommé. Bam, allez, on monte. Normalement, il y a personne qui nous suit là-dessus. Si, il nous suit. Il nous suit quand même. Il va. Ok, c'est bon, ça passe. Ok, je le fous au sol. J'ai pas du tout. Ouais, j'ai eu. Hey, en vrai, j'ai eu full chance, hein, là-dessus. Vas-y. Oh là là, les points de vue, frère, ils sont très cinématographiques. Mais alors, quelle galère! Ah, quel enfer là de s'opérer avec la perspective! Ok. Bon, là, du coup, on va devoir affronter un frérot là. Bonjour, non, on est dans la merde. Ok. Oh la patate, frère! La patate, je me prends des trucs sales! Je comprends pas les consignes en fait, je sais pas où je dois envoyer les trucs. On essaye de le faire dans le bon sens, mais. Ok. Vas-y, coup de genou. On t'éclate. On t'éclate aussi. Shit. Ok, on le défonce. Merde, c'était une attaque vers le bas. Ok, petite patate, c'est bon, on s'en sort. Ouais, ça fait un peu... Ouais, le combat est un peu plus réaliste comme ça. Terminus, chérie. Gardez les mains bien en évidence. Aide-moi, Aiden. Allez, on se... Il nous faut des renforts, mais vite. Elle s'enfuit. Ok, est-ce que ça passe? Oh oui, le champ de force. Oui, le champ de force. Encore le champ de force. Ok, cinématique qui est lancée, c'est bon. Let's go. Oh, ça met bien, ça met très bien. On va s'en sortir. Levons-nous. Peut-être pas qu'on traîne trop là. Enfin, mais quel enfer, frère, sa vie, c'est une dinguerie. Hein. Quel enfer. Oui, je sais. Il faut qu'on se tire d'ici avant qu'ils reviennent. Et je suis censé courir comment? Je peux pas courir? Je marche comme ça? Non. Ok, on avance. Oh merde. Passez par l'autre côté! Merde! Les chiens, les l'hélico, c'est la merde. Ok, vas-y, putain, ça va être un enfer de QTE. Vas-y, on doit passer par là, j'imagine. Je t'ai pas obligé. Vas-y, on esquive. La fugitive est dangereuse, alors soyez prudents! C'est la merde. C'est bien la merde. Eh bah, dis donc. Sacré parcours cette forêt, hein. Limbo.
Allez, on passe. Qu'est-ce que vous attendez, le déluge ? Ok, vas-y, ça passe. Putain, c'est la merde. Elle saute d'un hélico, puis d'un... Attends, je vois pas. Vas-y, on essaye de... Là ! Elle est dans la rivière ! Travis, par les rochers ! Vas-y. Je comprends pas trop le QTE, mais j'imagine que ça veut dire... matraquer les touches, hein. Donc on le tente. Elle saute d'un hélico, puis d'un... Merde, j'ai raté. Attends, je vais lire le chat après. Vas-y, fonce, ça continue. Oh, mais c'est horrible. VDM. Vas-y, j'essaie de garder ma vue correctement. On essaie d'aller tout droit. Putain, y'a du monde partout, frère, c'est une dinguerie. Ils sont partout, les frérots. Vas-y, attends, on monte là. Oh non, putain. Faut qu'on se casse. Wouah, frère, non. Putain, les chiens. En vrai, les pauvres chiens, ils ont rien demandé, mais on va devoir les éclater. Hein. Ça va être compliqué, là. Là, ça va être Aiden qui va le calmer. Oh, l'enfer. Ah non, je vais devoir me battre avec un bâton. Je vais devoir faire des QTE, ok. On la tente. Ok, vas-y, ça passe. Vas-y, on le... Ouais, fais un peu chier. Chien. Aïe. Oh, ça passe. Et je fais mieux les QTE contre les animaux. Ça en dit beaucoup sur moi, peut-être. Je sais pas. Merde, je me suis trompé de touche. Ok, ça passe. Oh non, ils défoncent. Ils ont pas choisi, eux. Ils ont été dressés par des trous de balles. Vas-y. Va-t'en. Et laissez-nous nous enfuir. Merde, je ne peux pas courir par là-bas. Merde. Ok, s'il vous plaît, la cam. Mais je ne peux pas grimper. Qu'est-ce que vous m'emmerdez? C'est une... Ah, si là. Oh, si là, il y a un petit truc. Magnifique. Ouais, je suis désolé, hein, je l'avais pas vu. Je l'avais pas du tout vu. Vas-y. On escalade, ça passe. Oh, les petites techniques de grimpe là. Oui, voilà, les jambes. Hein. Allez, on reprend ici. On a besoin de lumière par ici, j'y vois que dalle. Si je rate les QTE, je me demande ce qui se passe. Je vais essayer de pas les rater. Voilà, bon. Vaut mieux faire échappe que autre chose. Merde, j'ai raté. J'avais pas vu que c'était matraqué. Ok, c'est bon. Bon, on n'est pas safe, mais c'est mieux. Ok, là je maintiens. Je reste planqué. Tu vois quelque chose? Non. Y a que des rochers. Oui. Non, elle aurait jamais pu grimper là-haut. Ouais. Non, là c'est au moins du 9, du 9C. Hein. Même. Merde. Peut-être même du 9A. On a dû rater. Travis, rappelle-moi tout de suite ces saloperies de clavards. Non, l'endroit est trop compliqué, quoi. Grimper en chaussures et tout, ouais, c'est gros niveau de difficulté. En plus quand il pleut et tout. Ok, est-ce qu'on est safe là ou on va se faire ken? Oh, on va se faire ken et les voitures. Il y a les voitures, on est foutu. Ah mais non, elles sont garées là, mais ça veut pas dire que... Ah oui, mais il y a quand même des keufs. Où est-ce qu'il faut que je passe? Faut que j'essaie de passer en dessous. Ouais. Vas-y, Aiden. Ah non, je passe pas en dessous et je vais utiliser Aiden. Ouais, ils font quoi? J'en ai mal, Clark, de toute cette nuit. Ok, donc il y a lui. Ah, on va prendre la... Pile ce qu'il me faut. On va prendre la moto. Ok, il est possédé. Ok, donc là, on le possède. On le possède et qu'est-ce qu'on fait? On va vers nos collègues.
C'est ça? L'hélicoptère là-bas. On aurait dit qu'il était près de la rivière. Non? Ah bon? Possible. Bah, si, on dirait quand même qu'ils veulent qu'on aille là-bas. Ah, la voiture. Ok, ils veulent qu'on dégage la caisse. Vas-y, on fait ça. Hein. Vas-y, mets le contact. Et donc là, ils veulent qu'on écrase les mecs ou qu'on juste on libère la route. Ok, on a libéré la route. Oh, Mike, il va nulle part, Mike. Hein. Ok, donc là, Aiden, il est distrait. Allez, Mike, ça suffit. T'as pété un câble. Merde. Putain de merde. J'ai raté le QTE, mais ça n'a eu aucune incidence. Allez, couille. Heureusement que j'ai capté que c'était maintenir parce qu'on aurait peut-être pu foirer et se faire repérer. Ok, on a pris la bécane. C'est quoi? Je vais devoir esquiver les voitures là. Bon, selon vous, on est où sur GeoGuessr là? On est sur quel territoire là? Faut regarder bien les signaux, regarder bien les panneaux de route. On a une double ligne. C'est intéressant. Double ligne jaune là comme ça. Ouais, le changement de visu, frère. Ok, mode cinématique, autant pour moi. Ok, donc là, ah ouais, là je contrôle la moto quand même. Quel enfer. Ça passe. Pas évident, mais ça passe. Ouais, ça tourne bien, hein. Ça tourne mieux que dans Trackmania. Hein. Vas-y. Ah, je me suis pas arrêté pour voir le panneau. Putain, on a raté une info là. Vas-y, tourne. Je crois que même si tu pilotes comme de la merde, ils te font pas sortir de la route. Je vais devoir faire un QTE là. Non. Ouais, c'est la merde hein. Et du coup, il va se passer quoi? Tenez votre position. Ok, donc c'est le SWAT. Le SWAT, c'est quoi en fait? C'est genre un peu le GIGN français, mais. On va devoir passer GIGN, tout droit. Version, t'es prêt, version US. C'est ça. Vas-y, on démarre. Hein. On y va. Aiden, j'ai besoin d'aide tout de suite. Bam. Vas-y. Ok, vas-y, on lui donne. Oh, stylé. Oh, le chargement, frère. Voilà, pénétration dans les forces ennemies sans leur consentement. Ça dit quoi maintenant? Ne tirez pas. Bien. Et là, en fait, j'ai dit, ne tirez pas. On protège derrière. Ici le barrage Tango. On l'a loupé. Je répète, on barrage Charleston. Ici barrage Tango. C'est vous qui menez la danse maintenant. Ah, la vanne exceptionnelle quoi. Vraiment 20 sur 10. Police d'élite américaine spécialisée dans les interventions difficiles. Ok, ouais, bon, bah c'est ça, c'est l'équivalent US du GIGN. Ok. Ah ouais, ils nous attendent dans la ville et tout, putain. Bon, après, c'est vrai qu'on est un gros sujet d'expérience, on a un pouvoir particulier, on est du gouvernement, machin, CIA, on connaît des secrets. Allez, on bouge. Donc, c'est pas étonnant qu'ils veuillent autant nous défoncer. Enfin, en tout cas, nous récupérer. Ouais, le sniper, là, on est pas fan. Groupe 3, en position. Vous êtes encerclés. Sortez les mains en l'air et il ne vous sera fait aucun mal. S'ils cherchent vraiment les emmerdes, ils vont les trouver. Vas-y, Jody. Montre-leur. Occupe-toi de Aiden. Oui. Oh, let's go. Oh, ça me met bien. Bon, déjà, nous, on va se safe, là. Oh, oui. Oh, c'est incroyable, on va pouvoir le contrôler, le mec. Oh oui, oh, on contrôle le sniper. Oh, les amis. Oh, ça va être... Ah non, il va se suicider? Non. Sérieux? Waouh, ok. Ok, je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Est-ce que là, il y a quelque chose qu'on peut faire? Oui, on peut contrôler monsieur. Il fout bien la merde. Bam, petit contrôle.
Ah merde, non, je pense que c'était scripté. Je pense que c'était scripté, on pouvait pas. Là, vas-y. On pousse la vago comme ça. Bam. Allez, les dégâts, ça c'est fait. Et là, on fait pareil. C'est fini, agent Hall. Alors rendez-vous. Ok, ça c'est fait. Lui, lui, on peut rien faire. Ah bah c'était le commandant, je crois. Je crois que c'était le commandant, je suis pas sûr. Là, il y a encore des gens. Est-ce qu'il y a un mec qu'on peut contrôler là? Bonjour. Allez, on est parti. On fait un bon gros massacre. Ouais, donc c'est scripté, c'est scripté. On peut bouger cette caisse. Ah, attends. Il nous faut une ambulance. On peut contrôler le mec à l'intérieur. Tenez votre position. Elle me frappe à la face. Quelque chose. Vas-y, attends, là tu veux dire qu'on va écraser les gars là en face de nous. Qu'est-ce que c'est ça? Wow. Ah oui, on fait exploser le bail. Oh, les effets spéciaux du feu là et de l'explosion. Mal aux yeux, mal aux yeux. Mais c'était bien quand même. Mais c'était bien quand même. Ouais. Je peux pas vous le cacher là. Ok. Je peux pas aller plus loin. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Ah, j'ai l'impression que non. Si, il y a ça. Je peux vous l'envoyer sur la gueule, les gars, ou. Non. Non, pas du tout. Y a autre chose qu'on peut faire là? Oh oui, là-haut. Est-ce qu'on peut te faire un truc à toi? Non, on peut rien te faire. Par contre, à toi, oui. Ça, c'est bien ça. Allez, espérons que le sniper, on le fasse pas sauter. Sinon, ils vont essayer de me tuer. Ça serait bien une petite vue FPS où on bute les mecs là. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, on les. Ok, on en a buté 3 là. Là, on est bien. Aiden, ils arrivent. Empêche-les de m'atteindre. Bam, la voiture sur la gueule. Aiden, je peux pas entrer. Ouvre la porte. Non, on peut pas. Ça a absolument rien changé. Vite. Allez, fais sauter cette putain de porte. Ouais, je couvre la porte, mais je voulais créer, je sais pas, un truc qui bloque leur vision. Bon, vas-y, on est chaud, on essaye de tenir. Est-ce que... Attends, normalement je vais pouvoir pousser ça, je pense. Oui. Non, c'est elle qui va le faire. Aiden, vite, tu dois faire diversion. Explose les voitures. J'explose les voitures. Vas-y, moi je suis bouillant. Je suis bouillant. On explose toutes les vagos qu'on croise. Vite, il faut que tu m'aides. Ouais. Je viens, je t'aide. Mais c'était prévu à la base, hein. Attends. Mais je suis censé faire quoi là? À l'extérieur là encore? Aide-moi! Ah, il faut que je la soigne! Je crois qu'il faut que je la soigne. Attends, je suis pas sûr. Non? Pas que je la soigne? Mais si, il faut que je la soigne. Non? Attends, frère, je comprends pas. Ils vont entrer, oui, allez, et donc. Mais tu m'en supplies, mais explique-moi! Genre, y'a rien, frère! S'il vous plaît, allô, bonjour, est-ce qu'on peut avoir des informations sur le truc qu'on peut bouger? Parce que là, je ne vois aucun truc d'interaction. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Aide-moi, putain. Tu veux que je t'aide à faire quoi, en fait? Je veux bien bloquer la porte, mais je ne peux pas. Ok. Bon, bah, crève, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise le jeu, visiblement, ne veut pas que je t'aide. Et là, attends, est-ce que je peux faire un truc à un soldat? Non, je peux rien faire, frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, je me faisais choper. Eh ben, nickel. Ah ouais, un peu chiant le passage, là. Merci pour les options quand tu me grimes, hein, là, ça m'est bien. Bon, c'est pas grave. Vu que t'es scripté, de toute façon. Cible extraite, heure d'arrivée prévue 5h. Ok, merci, nous vous attendons. Non, fais quelque chose. Je t'en supplie, il faut qu'on sorte de là. T'es sûr qu'elle va pas se réveiller? Je lui ai fait une injection. Bah vas-y, hein, contrôle et ça va partir en couille. Hein. Vas-y, mon pote. Qu'est-ce que tu fais? Pose ce putain de flingue. Merde, putain, j'ai pas agi assez vite. On va leur trouver autre chose.
Ok, j'hésitais un petit peu et je pensais pas qu'ils allaient nous niquer. Oh, le conducteur. Oh, le conducteur, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Vas-y, vas-y, on accélère. Mais qu'est-ce que tu fous ? Allez, let's go ! Super. Super petit accident là. Mais là, par contre, le problème, c'est qu'avec Jody, on va prendre très cher. Je pense. Bon, après, on peut se soigner normalement avec Aiden. Mais je sais pas que. Je sais même plus c'était quoi les touches. Alors. Normalement, Aiden devrait pouvoir nous péter les menottes. Voilà. Bon, excusez-moi, j'arrête de parler hein, parce que je suis en train de guess le jeu. Dites-leur de me foutre la paix, d'accord ? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. En vrai, ça va, elle a été patiente quand même une... au moins 20 ans de sa vie. Je pense qu'elle a 20 ans, un truc comme ça, aujourd'hui. Et il peut pas nous soigner, Aiden, là ? Normalement, il est censé pouvoir. Attrape-moi si tu peux. S'enfuir du train sans se faire arrêter. Ah, on a réussi quand même. On a réussi, hein ? Eh ! En vrai, avec toutes les QTE... Enfin, avec tous les QTE qu'il y avait, c'était pas gagné d'avance. Ville détruite, voie non empruntée, enfui à moto, sur le toit du train, par la fenêtre, ouais. Enfui dans le train, enfui dans la forêt. Ok. Bon, c'est pas super intéressant, ouais. Et très clair, mais c'est bien. Ça permet de savoir un petit peu si on a fait des trucs rarissimes ou pas du tout. Et bienvenue à vous les streamrunners. Vous arrivez sur l'épisode 3 du Let's Play découverte sur Beyond Two Souls. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors... Là, on est dans quel... ça fait combien de temps? Est-ce que c'est nous? Dans cette voiture de police? Non. Non, c'est l'autre connard, là. Putain. Ah ouais, on est... littéralement SDF. Ok. En plein hiver, là. Super. Welcome in France. Ah, on est... Ouais, on n'a pas beaucoup d'énergie. Tu m'étonnes. Bon, on doit être frigorifié. Quel enfer. Et encore, on a de la chance. Parce qu'en France, normalement, là, il y aurait des pics en métal partout par terre pour nous éviter de nous allonger. Bah oui, parce que vous vous rendez compte. Quelqu'un qui essaie de s'abriter du froid, non mais ça va pas. Vous allez pas bien ? Alors, est-ce que notre personnage se dirige tout seul ou est-ce qu'on avance ouais, comme ça, un peu au hasard. Je suis sûr, on va passer à côté de la cabine et on va recevoir un appel. Ce serait très marrant. Non, ça va pas être ça. Ouais. Bon. Ils vont nous demander de faire un truc et on va passer un appel. C'est un peu différent, mais j'avais un peu guess quoi, l'interaction. Et ça, c'est bravo les devs. Hein. Bon, c'était peut-être un peu trop évident, mais c'est bien. Alors. Allô. Nathan. Cutty, où est-ce que tu es? Ils sont là. Il y en a plein partout. Cutty, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que... Moi, je vous le dirai après. Je suis tellement fatiguée. Je vais pas m'en sortir. Dis-moi, où est-ce que tu es? J'arrive. J'arrive tout de suite, Cutty. Ah, mais on peut pas lui faire confiance, frère. On peut pas lui faire confiance. Faire confiance à personne, en fait. Putain, ouais, là, ça dégénère. Du coup, pour ceux qui auraient loupé, qui ne se souviennent pas... Jody, à la base, on croyait que c'était Aiden qui l'emmerdait, etc. Qui la faisait crier, qui lui filait des cauchemars, etc. Merde. Mais c'était pas ça. C'était ces monstres-là, en fait. Ces monstres-là qui la pourchassent, qui n'avaient jamais tranquille et qui passent leur temps à l'agresser. C'est assez infernal pour elle. Et donc du coup, elle passe son temps à essayer de fuir
de fuir ces bestioles. Apparemment, ils reviennent à la charge. Ok, donc lui, il faut qu'on essaye de le faire remarquer. Oh, putain, derrière, il y a les mobs là-bas. Putain, ils passent leur temps à essayer de l'attaquer, c'est une dinguerie. Ok, là il va fuir. Ok, c'est bon, il nous a remarqué. Sacré aveugle quand même, hein. on était en plein sur lui. Alors frère, je suis un être humain. Et je ne me sens pas très bien, je ne m'allonge pas ici par hobby. Donc si tu pouvais m'aider plus rapidement, ça serait très aimable à toi. Merci beaucoup. Il a pris le temps, frère, quand même. Alors... Je dis non ! Quoi ? Pourquoi on a une vision de lui là ? Ah, on voit l'avenir ? Allez, petite. Hey. Salut mec. Je commençais à croire que tu te réveillerais pas. Où est-ce qu'on est ? C'est chez moi, petite. C'est pas très luxueux, mais... Oh, hé. Hey. Franchement... Calme. Franchement, c'est cosy, hein. Je t'ai trouvé dans la rue, il y a quelques jours. Le système d'aération fonctionne bien. Il est planté tout, frère. Bah, tu parles, il fallait bien. J'allais pas te laisser là. Crever comme un chien dans la rue. Je m'appelle Stan. Toi ? Jody. Eminem. Bienvenue dans le monde des vivants, Jody. J'aime avoir de la compagnie de temps en temps. Tu veux du café ? Il est fort, il a un sale goût, mais... t'as très chauffant. En vrai, franchement, est-ce que ça peut être pire qu'un café de machine dans un bureau ? Je sais pas. Ça fait longtemps que t'es à la rue, petite. Mentir. On va mentir. On va essayer de pas l'impliquer dans notre bail, dans nos histoires. Ah ouais. T'as l'air mal pour quelqu'un qui est à la rue depuis quelques jours. Ça va faire 3 ans pour moi. Je sais pas combien de fois je me suis dit que j'allais... disjoncter. Péter les plombs, tu vois. Mais faut croire qu'on s'habitue à tout. Même à vivre avec rien. Tu fuis quelqu'un ? Tes parents ? Alors je fuis des gens. Petit ami, un truc comme ça. Et j'essaye de fuir des trucs que je ne peux pas fuir. Vas-y, on parle un petit peu parce que. Je crois que. On en a besoin, mais après on va se lever et on va se casser parce que plus on reste, plus on le met comme en danger. Comme nous tous, petite. Comme nous tous. Mais le problème, c'est qu'on peut jamais partir assez loin pour oublier qui on est. T'as un endroit où aller ? Non. La famille ? Non. Les amis ou les proches ? Non. J'ai personne, frère. Vas-y, petite vérité là-dessus. Non. Ouais, il y a peut-être quelqu'un, mais je veux pas le voir. Pas comme ça. Il y a peut-être quelqu'un, mais je peux pas le voir. Je pense qu'elle parle de Nathan, mais en vrai, même lui, hein, on peut pas. À qui on peut faire confiance là ? Il y a personne. Reste ici, si tu veux. Il y aurait peut-être la daronne, tu vois. Mais bon, ils ont pas demandé de nouvelles, on les a pas vus depuis le début, ils nous ont abandonnés quand on avait 6 ans.
Merci. À mon avis, ils doivent quand même un peu s'en battre les couilles, quelque part, tu vois. Donc, ce serait peut-être inquiété plus tôt. Ils ont peut-être demandé des nouvelles plus tôt. En tout cas, le daron, c'est sûr que lui, s'en bat la race. Lui, il est très bien. Si on lui annonçait demain que sa fille était morte, il serait en mode « Ah !» Eh ben, il était temps. C'est une bonne nouvelle. Salut. Salut. Salut, Nexos. Merci pour le raid. Merci beaucoup. J'ai désactivé l'alerte de raid hein, pour le mode jeu, histoire de ne pas déranger les gens. Mais merci beaucoup pour le raid, c'est très sympathique. Ça s'est bien passé ton stream? Ok, on pouvait regarder, d'accord. Donc elle est enceinte, enceinte à la rue, nickel. Sachez qu'en France aussi, hein, y a quand même énormément d'enfants, de femmes seules et d'enfants qui vivent à la rue. Grosse ambiance. Vas-y, on se réchauffe. T'as ressuscité, ma petite. Alléluia, merci Seigneur. Bienvenue dans notre royaume magique, ma chérie. Et sert ça carré de ouf. Ouais, ouais, ouais. De fou. Streamrunner, c'est vraiment très sympa, surtout quand tu débutes le stream. Ok, petite musique. Là, c'est bien, on a vu plusieurs conditions. Hein. On a vu... Pour les mecs solo, classiques. Et puis on a vu la femme enceinte, le gars, ça fait 3 ans qu'il est là, bon on n'a pas trop de contexte. Mais du coup on fait quoi? On continue de tourner ou on se casse? On se casse non? Attends, on est dans un immeuble là? Ah ouais, ok, on peut aller se balader? Ouais, nickel. Et là il y a une route et on peut se barrer. Ok, bah vas-y on se casse hein. On se casse. Du coup ça va, il s'est bien passé ton stream? Petite, on a plus rien à manger. On n'a plus rien du tout. Faut qu'on fasse quelque chose. Tu veux voir comment ça marche ici? Ouais, j'arrive. Ben mec, t'as vu nos yeux? Nos yeux, c'est une dinguerie. On a des cernes de compétition. Alors attendez, juste 2 secondes avant d'enchaîner, il faut que je fasse un tout petit truc. Hop. Allez, suis-moi. On reprend là. Voilà. Allez, on est parti. On le suit et on va faire les courses. Je sais pas si le jeu voulait qu'on fasse autre chose, puisqu'il nous a visiblement laissé la possibilité de faire autre chose, mais... Bon, on va enchaîner. Comme ça, on fait ce chapitre. Il faut qu'on fasse $5. Ça, c'est pour un truc chaud. Mets-toi ici. Ouais. Peut-être qu'avec le froid, les gens sont plus généreux. Ah ouais, donc là... Mendicité, direct. Ok. Bon, bah nickel. Ouais, il y avait du monde, j'ai gagné masse de game valo et j'ai joué avec les followers. Trop bien, c'est cool ça. Je me relève automatiquement, j'avais pas vu, pardon. Hey Stan. Je crois que ça sert à rien qu'on reste tous les deux au même endroit. Re à courant. Ouais. Je vais aller essayer par là. Bonne chance. Je pense qu'elle va se barrer. En vrai, faut qu'on se barre. En vrai, si on peut se barrer, il faut qu'on se barre. On va le tenter. Ça sert à quoi, Hit? C'est une extension Twitch qui permet de créer des interactions pour que les viewers en fait, aient des interactions avec le lecteur de stream. Je mangerai bien un hamburger, mais... J'ai aussi envie d'une pizza. C'est que de la bouffe. On peut pas aller... Ouais, okay. Mais voilà, c'est des trucs qu'il faut les paramétrer, etc. Il y a d'autres applications qui rentrent en relation avec. Bien fait pour lui. Mais tu peux faire des overlays sympas. Des overlays interactifs. Et il faut encore que je le règle. Malheureusement, je trouve pas le temps parce que entre YouTube, le stream, les projets à côté, sincère. Merci pour le leurre, Kyo. Tu vas bien? Je te laisse t'échapper juste après. Merci Nexos pour le leurre aussi. Vas-y, on attend un peu. Bof et toi? Ça va. Ça va. On fait avec. On fait avec ce qu'on a. On fait ce qu'on peut.
Mais ça va. Ça va. Pas trop trop mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, ça marche. Je suis désolé. Un peu, un peu d'argent. Ouais. Bah t'es désolé, mais tu files un peu de thunes quand même. C'est mieux que les gens qui filent absolument rien. Trop de travail. Tu fais quoi en ce moment? Tu bosses toujours sur ton jeu? Et t'as, t'as du taf en parallèle? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il nous propose d'aller jusque là et d'appeler, j'imagine. Non, il va le péter. Ah non, c'est un distributeur. On peut pas prendre cet argent, Aiden. Ouais, frère, vas-y. Je suis pas une voleuse. Pas une voleuse, ouais, non, mais t'es pas une voleuse. Non, frère, moi je suis désolé, tu prends. C'est ça, oui, c'est ça ou la mort. On a assez. Je vais aller voir comment va Stan. Non, c'est dinguerie, frère. Cette façon de réfléchir où tu te fais baiser ta vie entière par un état, par un gouvernement, par machin. T'as fait des trucs de fou, t'as pas été payé. On t'exploite depuis que t'es gamine. Toi. On te discrimine. Et t'es là, tu vois 20 dollars qui sort d'un distributeur et tu te dis je veux pas les prendre, je veux pas être une voleuse. Est-ce que t'as dégoté tout ce fric? Frère, c'est fou. Faut être matrixé. Je l'ai trouvé. T'as abandonné le jeu? Sérieux? Si t'as volé cet argent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il allait manquer à quelqu'un. Avec ça, on peut manger ce soir. Mais même lui. Mais c'est une dinguerie. C'est pas comme si j'avais dû tuer quelqu'un. C'est 20 dollars, frère. Je vais nous chercher à manger. Reste ici. T'inquiète, je bouge pas. Je reste vraiment là, je bouge pas du tout. Ok. Trop long, trop de travail et bug. Ok. Ouais, je comprends, mais ça demande un investissement assez important. Oula. Oh merde. Je veux pas d'emmerde. Des emmerdes? Ça aussi, des c'est une dinguerie, frère. T'es pas très respectueux, mon vieux, on a l'air de filer des emmerdes. On a dit qu'on avait l'air de chercher les emmerdes. Allez, les gars. Ouais, c'est tout bon, mec. Nous même de chercher les emmerdes, les gars, ils arrivent avec un téléphone et ils veulent se servir de toi pour faire du contenu, t'sais. Vous avez vu? Comment je vais exploser la tronche à ce sale con. Allez, vas-y. Reculez, je vous ferai pas de mal. Merde, mais par contre, ils ont une caméra. Oh, fais chier. Regardez. On dirait que ce putain de Clodo a une petite copine. Filme ça, Ed. Oh là là, comment on va leur faire mal. Comment on va leur faire mal, frère. Petite garce. J'ai besoin de me détendre, justement. Allez, bam. Bonjour, vous voulez que je vous fasse la bise à vous aussi? Bam, la réactivité. Merde. Bon, après, on est fatigué. Non, ça a pas marché. Mais quoi? Attends, frère, ça va beaucoup trop vite. Ok, ça passe. Ouais, ok, j'ai guess le move à faire. Allez, bam. Et le caméraman, tu lui niques sa race. Merde. Et tu lui exploses sa caméra. Non, je me non. D'ici. non, on arrête là la réflexion. Bon, après, comment t'as fait ça? C'est vrai qu'avec le froid, l'hypothermie, la faim et tout ça, le cerveau fonctionne plus. Non, mais ils étaient quatre, correctement. Ces mecs. Et donc, en termes de réflexion, oh, quatre losers. T'es beaucoup moins efficace. Je savais pas se battre. Et c'est quand même très très con de sa part. Hein. Allez, on ferait mieux de se tirer. Parce que c'est aussi dans ce genre de situation là que t'es ultra focus sur ta survie. Tu vois. Donc, du coup, tu penses à ces choses là normalement. Bon, bah elle est dans la merde. Et du coup, on va certainement se faire... il va certainement foutre ça sur internet, et on va se faire repérer. Et ils vont venir nous défoncer. Eh ben, génial! Et ils vont nous défoncer. Et à mon avis, vu ce qu'on a vu tout à l'heure... Oh là. Non. Bah non. T'hésites à sauter, mais t'as envie de vivre, quoi. Envie de vivre, donc vie. Et on va aller se faire chier. Allez, Jody, viens te servir. Ciao, je vais travailler. Ça marche, fou. J'ai même un peu de chocolat en dessert. Mais passe une du chocolat.
Ça fait tellement longtemps que je sais même plus le goût que ça a. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Stan? Je me suis battu. Et sans Jody, j'y serais resté. Vous auriez dû voir ça. Ils étaient quatre contre nous. Jody leur a botté le cul. Le bébé, ouais, on parle du bébé. C'est pour quand ton bébé? Je préfère éviter d'attirer l'attention. Le mois prochain. Ça fait des jours que je l'ai pas senti. J'espère qu'elle va bien. Est-ce qu'on peut regarder avec Aiden? Ami l'attend assez. Ah merde. Il voulait pas du bébé. Génial. Il l'aurait sûrement tué. Super. Vas-y, on demande à Jimmy. Jimmy? Est-ce que ça va? J'ai froid. J'ai vraiment trop froid. La drogue. Salut, stupide enfant. Bienvenue à toi. Comment tu vas? On va parler du camp. Vous êtes là depuis longtemps? Bah, j'ai trouvé le pont il y a environ 6 mois. Je suis tombé sur Walter. Jimmy est arrivé. Tuesday est ici depuis quoi? 3 semaines? Ça va super et vous tous ici? Bah ça va très bien, je sais pas si les autres répondront à ta question, ils sont peut-être en lurk. Ouais, je les mais ai déjà vus. Globalement ça va, on est bien. Ces gosses, ils viennent là pour épisode, tabasser là, du clodo. Du let's play il se filme avec sur Beyond Two Souls, qu'on connaissait de nom mais qu'on j'imagine avait j'imagine qu'ils font ça pour la frime. Ça se régale. Ils font les malins devant leurs potes. Sacrée bande d'enfoirés. Là on est dans Robo Simulator. Ils m'ont eu un jour. Je m'en suis toujours parmi. Et toi alors, Jody? Tu nous as presque rien dit sur toi. Alors, comment est-ce que tu as fini dans la rue? Je te réponds à la fin du dialogue. J'ai fait des choses dont je suis pas fière. Jusqu'à ce que je comprenne qu'on se servait de moi. Je sais que ça va paraître très étrange. Mais je suis différente. Et ça a foutu toute ma vie en l'air. T'as dit que t'étais différente, Jody. Comment ça? Il faut pas qu'on dise. Ça a plus d'importance. Ça va être très important dans pas très longtemps. Le jeu te plaît pour le moment? Le jeu me plaît pour le moment. Oui. Oui, parce que c'est un jeu qui est quand même très axé sur la narration. Et moi, les jeux narratifs, j'adore ça. La narration, je la trouve cool. J'ai vraiment l'impression de vivre un super film de science-fiction. C'est vraiment très sympa. Là où le jeu pêche beaucoup plus pour moi et où ça me nique un peu l'expérience de jeu, c'est au niveau des réglages de... Alors, je sais pas si c'est exactement ça, mais l'interface joueur... Les réglages sont catastrophiques, c'est assez compliqué, que ce soit souris ou manette. Après, j'ai testé que avec une manette qui est pas officielle, mais qui est adaptée PC, et en fait, tous les réglages sont complètement buggés. Et même s'ils n'étaient pas buggés, en vrai, les réglages sont vraiment pas pratiques. Donc, ça casse un peu les couilles, ça sort un petit peu de l'immersion que le jeu offre. Mais c'est quand même... Non, le jeu est quand même très très sympa. Même on peut passer au-dessus de ça assez facilement. Bon, après, quand il y a de l'action, c'est un peu dur. Quand il y a de l'action, c'est un peu dur de pas subir le truc. Tuesday. Tu veux savoir comment va ton bébé? Donne-moi tes mains. Ok, donc là, je me disais bien qu'avec Aiden, on pouvait regarder. Donc là, on va voir. Il va bien, nickel. T'en fais pas pour ton bébé. Tout est normal. Mais comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Je l'ai vu. Les réglages, même avec la manette officielle, c'est pas ouf.
Je me rappelle à l'époque, les premières demi-heures, j'ai galéré avec Aiden. Ouais, bah là, du coup, moi, je joue clavier. Parce que avec la manette, là, qui en plus est buggée, c'est n'importe quoi. Mais ouais, les premières demi-heures, c'était très chaud. Et puis, c'est toujours très chaud maintenant. Parce que vu que je joue au clavier et que j'ai toujours été un joueur manette, j'avoue que j'ai encore du mal à appuyer sur les bonnes touches au bon moment, etc. Puis avec la souris. Vu que tu joues pas comme un robot en mode hop, t'avances pas comme ça, tu vois. Genre tu bouges ton bras de manière circulaire, et donc quand tu veux aller à droite, en fait, et ben c'est assez sensible. À droite ou à gauche, c'est assez sensible, et du coup ça te fait partir en bas, donc ça te fait rater 90% des QTE. Trouver ma boisson préférée. C'est un peu insupportable. Salut à Cerox, merci pour le lurk. Merci pour la bouffe, les gars. Ouais, je les ai pas pu aider. Dommage, j'aurais pu plus les aider, mais je pensais pas que ça allait me faire partir ailleurs. Carrément. Bonne nuit tout le monde. Dommage. Bon, je pense que de toute façon ça va pas changer grand chose. J'aime souffrir avec le clavier aussi. Bah franchement, c'est mille fois plus facile avec le clavier qu'avec la manette que j'ai. Hein. Je t'assure, c'est un enfer. Hein. La manette, c'est un putain d'enfer. Et franchement, ça va, le clavier, c'est un peu casse-couille avec les chiffres. Mais sinon, pour le reste, ça passe. Ah. Ah ouais, super, petit bébé prématuré dans ces conditions-là. Génial. Tuesday ? Est-ce que... Elle a des contractions. Il faut une ambulance. Il nous faut carrément un hôpital. To do it. Non, pas l'hôpital. Et j'aime pas souffrir, hein, je te rassure. Ils vont prendre mon bébé. Non, personne tu verras ne le dernier prendra let's play mon sur bébé. YouTube, j'ai fait qu'un câble en mission. Mais on a rien. À l'étranger, là. On n'a pas de couverture d'eau chaude. On a que dalle. Mon bébé. Non, je veux pas que mon bébé meure. Attends, calme-toi. On va trouver un truc. Ok, Jimmy. Au bout de la rue, il y a un bâtiment abandonné. Essaie d'y entrer. Allez, j'y vais. Phil. Walter, tu vas rester ici avec Tuesday, ok? Quelle raison? Jody, suis-moi. À quoi on va chercher va tout ce qu'il nous faut. Là. Et toi, tu retiens ce bébé jusqu'à ce qu'on revienne, ok? Oui, je sais. Mais je vous préviens, vous avez intérêt à vous grouiller. Oh, c'est la merde. Bon, vas-y, on essaie de se dépêcher. Allez, viens, Jody. On n'a pas de touche pour courir alors qu'on est quand même bien pressé. Hein. Ouais, frère, j'arrive en marchant au calme. Ouh, la musique qui m'annonce que... Il y a un truc qui va pas bien se passer, là. Ravale ton bébé, madame. Oui, bah au bout d'un moment, faut faire Qu'est-ce un effort. Qu'est-ce qu'on va faire hein. Se plaigne un peu facilement. Un non. De toute façon, on n'a pas d'argent pour Mais s'en payer. Horrible, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute. Et donc là, quand mon personnage court... Je veux que ce bébé ait une chance, même une toute petite chance de s'en sortir dans ce monde de merde. Je veux qu'il ait chaud et qu'il ait des couches, un biberon et des vêtements corrects comme tous les autres êtres humains. Pas question qu'il naisse dans les ordures sous un pont. Ok, c'est quoi ton plan? J'en ai pas. Mais on va bien trouver, allez. Génial. Et c'est déjà bien. Tu vois, c'est... Il y a quand même beaucoup de gens qui, face à l'adversité, des moments ultra compliqués... Partirait vers des trucs très faciles, des comportements. Okay. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Très antisociaux. Et lui, il continue de faire des choses, de vouloir faire les choses bien, même s'il n'a pas les moyens. Il y a bien un moyen. Il y a forcément un moyen. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, je m'en occupe. Ça existe ce genre de personne dans la réalité. Je vous jure. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je vais faire une échographie de la porte. Petite échographie de la porte là. Voir comment ça se passe à l'intérieur. Vas-y, bam. Ah, il va pas le voir. Ouais. Il y a sûrement un interrupteur pour la porte de sécurité. Mais non, ça c'est pas le but Aiden. Ça c'est pas très malin ça. Petit interrupteur. Peut-être derrière ce machin. Non, ça n'a aucun sens. Un interrupteur pour la sécurité. Bonjour, je cherche un interrupteur. Avez-vous vu un interrupteur par ici? Interrupteur pour la sécurité, ça sert à rien. On doit trouver l'interrupteur pour ouvrir la porte. Ouais, ok. Peut-être là-dedans. Ah ouais, non, d'accord, c'est vraiment dans la pièce. C'est vraiment dans la pièce. Eh bien, ça va pas être là-dessus. Bon, attends, on va juste les... Oh, attends, déjà la caméra. Ok, l'alarme est éteinte. Ok. Ça nous évitera des problèmes. Ouais. Et un interrupteur qui est censé être là? Oui.
Le petit mur, évidemment. Allez, let's go. Bon, j'aurais pu faire la caméra avant de faire la porte. Ça aurait été plus malin. Merde, mais comment t'as fait ça? Oh, question de pratique, hein. T'es les échographies aujourd'hui. La technologie, allez, tout ça, ça. Faut, et on se tire. Ça progresse, hein. À une vitesse, on s'en rend pas compte, hein. Du coup, on rentre ou on l'attend? On l'attend, je crois, hein. Pas faire grand chose de plus. Ok. J'ai pris tout ce que j'ai pu. Ok, viens, on fout le corps. Faut faire des efforts, mon ami. Ah, vous voilà, venez vite, elle a perdu les os. Vous êtes entré dans l'immeuble dont j'avais parlé? Ouais, Walter est avec elle. Dépêchez-vous, faut y aller. Ok. Bon, elle a pas pu retenir le bébé, quoi. Allez, si tu peux courir, s'il te plaît. C'est marrant, hein, dans les moments où on est pressé, on peut pas courir. Dans les moments où on n'est pas pressé, le personnage court, mais il nous fait dépasser les PNJ qui sont en train de nous parler. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, j'aime bien ça. Ah, c'est très malin, c'est très bien pensé. Est-ce que je suis un râleur? Non. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme ça. Je me rappelle plus s'il y avait une touche pour courir. Eh bien, je viens de me rendre compte que potentiellement, si... Non, c'est... Voilà, je suis une merde. Je suis une merde actuellement. Il y avait une touche pour courir. Mais je l'avais essayé tout à l'heure et ça marchait pas. Donc je me suis pas dit que ça marcherait cette fois-ci. Mais ok. Ah, il faut que je sélectionne les deux. Pardon. Vas-y, la patience qu'il faut. Me faites pas un autre QTE là. Prends le QTE pour passer la fenêtre. Hein. Ok, elle est à l'étage. On essaie d'avancer. En vrai, je sais pas si on peut aider avec Aiden. Parce que on est quand même entraîné à faire du mal depuis qu'on est tout petit, quoi, avec lui. On a réussi à soigner, à faire de l'observation. Mais là, c'est... Juste à temps, les gars. On dirait que ça devrait plus tarder, maintenant. On fait quoi? C'est un peu différent, quoi. Quelqu'un sait quoi faire? Parce que les soins, c'était que sur Jody. Sortez sur le gamin, si on avait fait ça sur le gamin. Sauve-toi, Jody. Oh, je veux que Jody. Ah, ok, ok. J'ai cru qu'elle avait dit « Sauve-toi, Jody ». Pas « sauf », mais « sauve ». Tu sais que j'ai jamais fait un truc comme ça avant. D'habitude, je tue les gens. Moi non plus, mais je les possède, je les étrangle et je les fais tuer des gens. Regardez pendant que moi, je suis en train de crever de douleur. Ok. Ok, t'en fais pas. T'en fais pas, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Ça doit pas être si compliqué. Bon courage. Eh ben, c'est le premier accouchement de ma vie, hein, les gars. Donc, soyez indulgents. Hein. Ok. Laisse-moi t'aider à enlever ça. Ok. Alors. Est-ce que je suis censé faire quoi que ce soit? Oui. Là, trousse ici. Non, c'est des draps. Ouais, ok. Donc, c'est des draps... Des linges propres, j'imagine. Ouais. Okay. Je vais recouvrir ce vieux matelas. Ouais. Salut Nido, ça va? Réconforter. Vas-y, on réconforte. Accroche-toi. Ok, tu peux le faire. Allez, on donne tout là. RP sage-femme, on donne tout. On va carry. Allez, là, on dit en avant, Guingamp. Respire. Respire, ok. Respire, tu sais. Continue de respirer. Inspire. Inspire. Expire. Et expire. Mais je respire. Et lâchez tout. Je fais ça. Lâchez la bombe. Oh. Allez, hein. On fait ça en mode Oppenheimer, d'accord? Allez, pousse. Et respire, pousse. Respire, pousse. Tu y es presque, ok? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça va très bien. Tu t'en sors bien, ok? Tu t'en sors très bien. Espérons que ça se passe bien pour elle. Ok, ok, il arrive. Je vois sa tête. Je vois sa tête. Allez, pousse, pousse. Allez, donne tout là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il pleure pas? Non, mais normalement c'est quand il est entièrement sorti. Il se met à pleurer. Un petit peu après. Ok, il est vivant. Ah, voilà. Oui.
Bam 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 bam. Bon, allez. Et il est tout propre hein, quand même, hein. C'est un petit peu dégueulasse en bébé quand ça sort. On peut se mentir. Ok, le linge. Elle m'a fait peur. Non, c'est bon, c'est le carton médical. Shit, bro. Ok, nickel. Pourquoi il est pas à moitié jaunâtre? Je sais pas, j'avoue que normalement les bébés quand ils sortent sont un peu... ils ont tout le liquide. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est le plasma? Dans le placenta? Ils ont peut-être même des bouts de placenta sur eux, tout ça. Du sang et des fluides, hein, évidemment, lubrifiants. Pour faire sortir l'énormité là. Et on va s'en sortir. Mais là il est bien, il est propre, là il est hollywoodien, c'est un bébé hollywoodien. Il est né, douché. C'est la petite fée qui est arrivée qui fait... Cet enfant ne sera pas un joueur de LOL. Il naîtra douché. Je vais chercher les autres. T'imagines la bénédiction. Voilà madame, Vous avez accouché dans un endroit totalement insalubre, vous êtes à la rue, vous avez un bébé, wow. Vous êtes seul. Elle est tellement... Elle est... Mais au moins votre enfant ne sera pas un joueur de LOL. Fille. Je l'ai appelée Zoé. Merci. Merde alors, elle est vraiment super belle. Hey, surveille ton langage, Walter. Elle comprend tout ce que tu dis. Oui. Non, elle est plus que belle. Elle est magnifique. Je serais pas arrivée sans vous, les gars. Et sans Jody. Ça marche, Nido, à tout à l'heure. Bon courage pour la fermeture. Oui, je serai encore en live, je pense. T'es un miracle, Jody. Notre miracle. Putain, c'est quand même la première fois dans sa vie qu'elle entend un truc pareil, sincère. Et sans arrière-pensée, quand même. Et c'est aussi la première fois qu'on fait quelque chose de vraiment bien. Avec notre propre volonté. Ça, c'est beau. Bon, ils vont tous finir en barbecue, mais c'était une bonne expérience à mettre sur le CV. Elle doit pas sortir le placenta aussi, normalement. J'avoue que j'en sais rien, mais j'imagine que c'est un truc qui doit se faire naturellement. Et sinon, oui, ça doit certainement se faire comme ça. Ou alors, ou alors il le retire pas et peut-être que, bah, il est traité... par le corps, un peu comme les règles, tu vois, qui renouvellent les muqueuses, ça doit peut-être se passer de la même manière, j'en sais rien. Je sais pas du tout, c'est que supposition. Ah, on se réveille et tout brûle. Bah, c'est cool, ça. Bah, ça, c'est bien, ça. Et il y a des raisons pour lesquelles ça brûle, ou c'est juste un accident Je sais pas trop. Stan, lève-toi. Oh non. Où sont les autres? Walter est à cet étage. Jimmy, Tuesday et Zoé sont au-dessus. Ok, sors d'ici, je vais les chercher. Non. J'y vais avec toi. Non, j'y vais seul. Ah ouais, mais ça brûle bien. Putain, ils ont mis le temps avant de se rendre compte. Je t'ai dit de sortir d'ici. Ok, bon, lui, il est sauvé, mais... Ah merde. Ok, pardon, j'allais monter à l'escalier, mais... Vas-y, Aiden. Vas-y, ouvre la porte, frère. Ouais. Ok, vas-y, sors frérot. Prends pas une pause photo. Tuesday et le bébé, elles sont là-haut. Putain, mais les deux on sont en haut là. On doit les sauver avant que tout l'immeuble soit détruit. Oh, c'est la merde. Vas-y, avance Maros. Vas-y, cours, non tu peux pas courir. Ok, génial. Putain, on prend tellement le temps, ça me stresse. On se dépêche. Enfin, non, on se dépêche pas, mais on fait aussi vite que ce que les développeurs veulent bien nous laisser faire. Yes, génial. Donc là, petit détour. Hein. On est pris au piège. Allez, on défonce la porte. Ah, mais pourquoi les portes sont fermées à clé, frère? Aidez-moi. Allez, vas-y, on avance. S'il vous plaît, aidez-moi. Merde, on sauve Jimmy. Saute, merde, on sauve Jimmy. Merde, je crois que c'était un choix. Non, je peux pas le faire. Mais
Putain, mais on perd notre temps avec lui, frère. Il peut pas le faire, il peut pas le faire. Allez, vas-y, y'a un nouveau-né là. Faut qu'on aille le sauver. Putain, faut qu'on se casse. S'il peut pas bouger, on va devoir le forcer à bouger. Non, frère, j'ai pas de temps à perdre. C'est quoi déjà? Oui, c'est Aiden, c'est ça. Putain, on perd trop notre temps avec lui, frère. On aurait jamais dû l'aider direct. Putain, on est con. J'espère qu'on peut sauver tout le monde et qu'on n'a pas perdu notre choix. Ok, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Sors de là! Eh ben, je t'ai bougé ton cul. Allez! Le bébé! Tu dois récupérer le bébé! Oui, oui. À côté! Allez. Ferme ton bouche et je vais les aider. Oh merde! Oh bah génial! Il doit y avoir un autre chemin! Super! Ah, galère, frérot. Vas-y, on va vers là-bas, hein. on va essayer de passer, c'est bon, ça passe. Oh la dingue. Vas-y. Non, faut qu'on les sauve. Si je les sauve pas, j'ai trop le seum, quoi. Non, il faut que je maintienne, et là, faut que je maintienne les deux. Ok, ça passe. Oh oui, putain. On doit sortir d'ici. Est-ce qu'on peut passer là ou pas? Ouais, on peut passer, c'est ouvert. Vas-y. Putain, c'est chaud, hein. Et là, comment on fait là pour les protéger? Parce que en vrai, y a plus d'issue là. Attends. Aiden. Vas-y, pète la porte, frère. Régale-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un accident? Il y a quelqu'un qui a fait cramer un truc ou il s'est fait retrouver par le gouvernement ou je sais pas quoi. Tu vas devoir me faire confiance, ok? Aiden, j'ai besoin d'aide tout de suite. Ouais, on donne tout. Ok, ça passe. Non, vas-y Aiden, pète-moi le mur. Faites-moi le mur, Aiden. Réfléchis. Aiden, le mur, vas-y. Voilà, magnifique. Allez, on passe. Allez, vas-y, fonce. Fonce, Alphonse. Oui, ça passe. Pas de problème. Est-ce qu'il va nous arriver une dinguerie, genre l'escalier qui s'effondre? Vas-y, cours. Non. Bon, nous on s'en fout, on peut sauter d'immeuble. Continuez. Ok, sors d'ici. J'ai baissé un petit peu mon son, les amis. Alors attendez, je vais baisser un tout petit peu le son du jeu. Parce que j'ai été obligé de baisser mon micro. Parce qu'il y a de la cuisine qui se passe derrière. Et ça fait pas mal de bruit. Je vais parler un petit peu moi aussi, parce que du coup quand je parle... Je suis censé aller où là? Plus haut? Ça va pas bien se passer. J'ai raté, pardon, je m'attendais pas à un... QTE. Ok, ça passe. Jump. Vas-y, jump, hein. Bon, on va devoir leur montrer un peu, mais... Sauve-moi, Aiden. Allez, Aiden. Ça marche ou pas? J'ai pas compris. Genre d'habitude normalement on doit aller vers le centre. Elle est morte? Mais non. Respire plus. Attendez, j'ai buté Jodie hein? Mais non. Il y a une ambulance qui arrive. Non, c'était scripted. Je le sens, c'était scripted. Oh, par pitié, dites-moi que c'était scripté. Hein. Si j'ai buté Jodie, frère. C'est pas vrai. De l'oxygène! Il faut de l'oxygène! Non, je pense que c'est scripté. On va rentrer.
Non, en vrai, ça va le faire. En vrai, ça va le faire. J'ai confiance, j'ai confiance. J'ai confiance. Bon, j'ai pu remonter le micro un petit peu. Bah génial. Trop bien, ça. Ok. Oula, ça ressemble un peu au monde des démons, là, qui nous harcèlent, là. Qui nous veulent du mal. Voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien? Ah non, c'est les souvenirs, ok. Mettre ça sur la tête. Tu te rappelles? C'est comme une couronne. On est un peu comme dans les limbes. Tu ne me feras pas changer d'avis, voilà. Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme ton prétendeur. Il y a des règles. Voilà. Tu ne pourras jamais. Il faut que tu te fasses ça. Je ne veux pas qu'il t'arrive. Ouais, tu veux pas qu'il m'arrive du mal. Petit fils de pute. On va dire les termes. Même une toute petite chose va s'en sortir dans ce monde de merde. Je veux qu'il ait chaud et qu'il ait des couches, un biberon et des vêtements corrects. Je dis pas question qu'il naisse dans les ordures sous un pont. Il y a eu un petit cut dans le son là. Bizarre. Les entités autour. Encore un cut dans le son. Mais c'est trop bizarre, frère. C'est quoi ce genre de bug? Ouais, non, mais c'est parce que c'est fait par un petit studio indé, tout seul dans l'équipe, il a galéré. Je crois que c'est un remastered en plus, hein. Je crois que c'est une version remaster celle-là. Il y a quand même des bugs comme ça, c'est une dinguerie, hein, de se foutre de la gueule du monde à ce point-là. C'est pas gravissime, tu vois. Mais entre les réglages et les bugs comme ça, pour un remastered, je trouve ça assez grave. Question de proportion, quoi. C'était un petit studio, je me battrais les couilles, mais bon. Quantic Dream, je crois qu'ils sont bien, non? Je crois qu'ils sont pas trop mal. Ok. Ouais. D'accord. Ouh, c'est quoi? Attends, pareil, je vois le futur? Attends, quoi? Je vais avoir... Je vais être maman? Ça me fait rire de le dire comme ça. Je vais être maman? C'est comme si c'était bien. Mais c'est ma petite fille. Ah non, c'est peut-être... Attends, c'est peut-être notre daronne. Je vous en supplie, laissez-moi la voir. C'est peut-être le passé. Je veux mon enfant. Pitié, laissez-moi la voir. C'est peut-être le passé, c'est peut-être nous le bébé là. Ok. Un autre souvenir peut-être? C'était qui cette femme? Ah, c'était pas... Pourquoi est-ce que tu montres ça? C'est pas... C'est... Elle reconnaît pas sa... Si, c'est sa mère. Ouais, c'est sa mère. J'ai badé à un moment, j'ai vraiment cru que c'était nous. Mais du coup, elle a fait comme... Elle a parlé comme si elle regrettait un truc, qu'elle voulait plus, qu'elle changeait d'avis. Enfin, elle a dit qu'elle avait changé d'avis. Genre quoi, à la base, elle avait signé un accord pour nous donner un truc, genre... Enfin, pour nous donner aux chercheurs, ou je sais pas quoi. C'est bizarre un peu. Ça se trouve, en fait, Aiden, c'est pas arrivé par hasard. Je trouve Aiden, c'est pas du tout un être qui est connecté à nous par hasard depuis qu'on est gamin. Non. 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 Je veux pas partir. Je veux rester avec toi, Aiden. Aiden. Non. Ok, on est à l'hôpital, mais à mon avis... Ok, on n'a pas de menottes. On n'a pas de menottes, donc à mon avis, personne nous a trouvé, ce qui est bizarre. Parce qu'il y a forcément dû avoir un appel, un contact, ou je sais pas quoi, ils ont dû essayer de chercher à contacter quelqu'un. Je voulais pas revenir. Ma bichette, elle me fait trop de peine. Allez. Moi Ah putain, j'ai vraiment la phobie de ces trucs, frère, je te jure. Ça me met tellement mal, tout ce qui est prise de sang, perfusion et tout, là. Je suis pas fan. Désolé. Je fais le QTE, promis. J'aime tellement pas voir ça. En fait, j'ai des sensations, je me rappelle des sensations et ça me... Ça... Omnibulé. Je crois que c'est ça, comme ça qu'on dit, ouais. Chaque fois, il me fait galérer, ce mot. Oui, c'est elle. Oh putain, s'ils sont là. Émotion et fracture du crâne. Elle est dans le coma depuis plusieurs mois. Ah ouais, plusieurs mois. Ça dépend. Vous êtes de la famille. On est de la CIA. Oui. Cette fille est recherchée pour trahison.
Donc, on a un mandat d'arrêt, si c'est ce que vous voulez. Putain. Ok. Vous pouvez la voir. On se réveille. Ça fait plusieurs mois. Plusieurs mois qu'on est dans le coma, pas eu d'emmerde. Et là, on se réveille. On se fait... on se fait poursuivre. C'est une dinguerie. Vas-y, attends, on essaye la... S'il te plaît, s'il te plaît. Petit point d'interaction. Mais je vais péter un plomb. Salut Omox, merci pour le lurk. Comment tu vas? Allez, on y va. Hein. Parti. On a ressauté pour non, attends. On est mort ou... Alors, attends, on s'est vraiment... C'est bizarre, c'est sa chambre. Elle devrait être ici. Merde. Elle est sortie par la fenêtre. Non, c'est impossible. On est au cinquième, elle a pas pu sauter par la fenêtre. Donnez l'alerte. Cette fille ne doit pas s'échapper. Je crois que je viens de me buter là, non? Enfin, je sais pas. Normalement, avec Omox. Normalement, avec Aiden, Aiden peut nous créer un espèce de champ de force autour de nous et nous permettre de sauter sans prendre de dégâts. Voilà. Ah bon, je suis dans le jeu. Vas-y, c'est plus Aiden, c'est Omox, les gars. On a Omox the Game Dev qui gère. Ah, et donc là, on arrive au début du jeu. Madame? Ok. Est-ce que ça va? Ouais, super. Vraiment bien. Ah, et c'est de là la cicatrice, ça venait de la chute qu'on avait fait juste avant. Sans abri. Ok. Les amis, je pense qu'on va arrêter là. Et on fera la dernière partie du jeu. Je pense que ce sera le dernier let's play. La semaine prochaine. Donc, on verra quand est-ce que je cale ça. Mais ce sera très sympa. Ce sera très sympa. Je pense qu'on va, on va en rester là pour cette fois-ci. Voix non découverte, je crois que c'est un dégât qu'on n'avait pas soigné. N'a pas aidé tout le monde après le dîner. Ah bah non. Donc il y avait encore une autre voix non découverte qu'on n'a pas fait. Voyou repoussé, silencieux à propos d'Aiden est sorti du bâtiment. Sort des voyous ignorés. Non. Ok, eh ben écoutez, c'était une bonne petite session. Je pense qu'on va en finir ici. On se retrouve sur le jeu la semaine prochaine. Là, je sais pas, il est quelle heure? Il est 20h07, ça fait combien de temps qu'on est en stream? 2h30. Écoutez les amis, on va peut-être pas pousser trop loin. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va raid un copain et ce sera bien. Bon allez, je retourne en lurk. Des bisous. Ça marche, Max. Passe une bonne soirée. Merci d'être passé. On passe en discussion. On va fermer le jeu. On va quand même faire suivant. On va quand même faire suivant. Mais là, maintenant, ça a chargé. Hop, on ferme. Merci. Ok, nickel. Ouais. Allez, on ferme ça, on ferme tout ça. Et on est bien. Je vais nous trouver hop, une petite une petite musique d'au revoir. Et on verra qui c'est qu'on raid. Pardon, j'ai mis la musique un petit peu fort. Écoutez, on va se retrouver demain à partir de 15h, un truc comme ça. Demain, c'est Live Horror, hein, puisque quelqu'un a payé les 100 000 points de chaîne. Chouchou a payé les 100 000 points de chaîne pour que je joue à Bendy. Bendy, je ne me souviens plus exactement le nom. Bendy, tout simplement. Voilà, il s'appelle tout simplement. Attends. Bendy and the Dark Revival, qui a l'air très sympathique. Donc, vous aurez le let's play aussi qui sera disponible. Hein. Tous les let's play seront disponibles sur la chaîne YouTube à peu près un jour ou deux après le live. Vous retrouverez ça assez facilement dans la playlist hein, du jeu. On se retrouve la semaine prochaine pour ce jeu. Demain à partir de 15h. Samedi à 18h pour le live, comment ça s'appelle? Pour le live tournoi GeoGuessr, la GeoGuess Cup, hein, où tous niveaux sont acceptés. Vous êtes tous les bienvenus. J'espère que vous avez passé un bon live en ma compagnie. Un bon vol dans cette compagnie. Et puis à très bientôt. On va choisir un petit raid. Quelqu'un, un copain. Nous avons Azura, Tegor, Encre Mécanique. Ouais, écoutez, j'ai pas trop d'idées. On a Mine qui est sur Minecraft. On a Rujo. En vrai, ouais, soirée cinéma. React cinéma, en vrai, c'est bien. Mais bon, c'est ouais, si le truc est en cours, ça sert pas à grand-chose. Écoutez, je vais vous envoyer chez Azura, qui fait du Palworld en ce moment. Son titre, c'est quoi? C'est On fait du breeding. Écoutez, voilà, on vous envoie chez le copain. Passez une bonne soirée avec lui. N'hésitez pas à lui donner un petit peu d'amour, même beaucoup d'amour, si vous avez envie. Et on se revoit très bientôt. Ciao tout le monde.